Bonjour, bonjour tout le monde. C'est avec un pile, mais vraiment un pile plaisir, nous retrouvons matin pour premier match journée entre le Maroc et le Portugal. Portugal qui était fait un match nul 3-3, mais vraiment c'était un match nul à l'arraché puisque c'est Cristiano Ronaldo, leader équipe blanc, vedette équipe blanc, l'inévitable, l'incontournable, qui t'a pral marqué un coup franc somptueux, qui t'a pral arraché match nul 3 buts partout. Portugal-Maroc, nous trois, pour capable non seulement faire commenter, animer match Bolsa, c'est tout d'abord Steven Dieudonné et Gracien Antoine. Steven, bah, au 9, non, mon. John Dillazio, on a constaté, 9, notre télévision d'Haïti, et 9 avec une belle affiche matin là, premier match journée 1. Portugal contre la sélection marocaine de football. Portugal 7 participations, Maroc 5 participations. Portugal, ils ont nul spectaculaire, Mbledi Sapito, contre l'équipe espagnole là, et puis Maroc, ils ont défaite 0-1 contre l'Iran. Grâce à quelqu'un qui est venu parler là. Ou déjà, bonjour Jérôme, bonjour Steven Dieudonné. Nous saluons tous les auditeurs et téléspectateurs Radio-Télévision Nationale d'Haïti. Nous sommes très contents pour nous avec vous matin pour le match entre Portugal et l'équipe du Maroc. Portugal qui a fait 3-3 contre l'Espagne. Maroc qui a perdu dans la première journée contre l'Iran. Ils ont défaite à synonyme d'élimination équipe ça. Nous capable dit décor ali déjà planté pour afficher dans groupe B. C'est deuxième rencontre tous les deux équipes, c'est 18e match 21e édition phase finale Coupe du monde ici 2018 là Jérôme. Monsieur Jean Noué et Jean Tega des performances Cristiano Ronaldo et face à l'Espagne 3 goals dans Coupe du monde ça, c'est seul joueur qui marque 3 goals dans seul match. Il est vrai que les exéco avec Ruslan Denis Seryshev qui fait un goal hier contre l'Égypte, donc c'est désormais c'est deux joueurs qui a 3 goals. Maintenant, la question que je me pose, je me demande est-ce que les Marocains ont les moyens pour stopper Cristiano Ronaldo? Bon, peut-être il y a capable résoudre ça. Nous connaissons Medhi Benassia qui dans équipe marocaine nan, sans compter Younes Belanda, Manuel Dacosta, c'est des joueurs qui connaissent le football portugais bien, qui évoluent dans plus haut niveau ensemble avec Cristiano Ronaldo. Je pense que li pas difficile même si n'a pas reconnaître Cristiano Ronaldo de très souvent Lionel Messi et Messi Suarez joueur ça yo, c'est pas grand défenseur qui capable empêcher yo jouer, c'est yo même lorsque yo pas bon, lorsque yo pas en forme, yo capable pas capable, yo capable, yo gen droit pas capable délivrer marchandise là. D'accord, Steven au partage avis. Oui, ça. Avis partagé puisque Sergio Ramos t'a déclaré ça après match Portugal là, les contre équipe portugaise là, Lizo après gol coup franc Cristiano Ronaldo, il était même il tendance à célébrer gol là avec Ronaldo, c'est lorsque le rappelé que c'est dans l'Espagne. Sous l'Espagne. C'est Mario l'Espagne là sous lui et puis il dit non, il faut qu'on continue à jouer, donc c'est ça pour montrer que joueur ça yo l'on parler de Cristiano Ronaldo ou parler de un intergalactique ou parler de un grand star ou parler de un canonnier ou parler de un buteur prolifique, donc ou pas parler de n'importe joueur ou parler tout de meilleur buteur Ligue des Champions et meilleur buteur sélection portugaise là, c'est pas n'importe joueur qui joue football, c'est 84 même, buts déjà sous les 151 sélections, donc quand même gagner de quoi pour Marocain yo même yo inquiété et message là, les signalités claires que défense marocaine n'est pas prévenue. Monsieur, un nouveau petit parenthèse, monsieur. Là aussi, qui a organisé la Coupe du Monde, c'est le premier pays qualifié là. Oui, premier pays qualifié avec 6 points sur 6. Il a marqué 8 goals, les points seuls. Effectivement, 8 buts marqués pour cette équipe russe. En pile, on ne peut pas attendre l'équipe russe là à ce niveau, mais c'est la situation. 2 victoires en 2 matchs, ils ont annoncé la couleur là, bien avant dernier match. Voilà. Et grâce à Antoine, nous permettons de continuer à commenter là tout à l'heure, mais à présent, nous prenons l'entrée dans l'hymne national. Maroc contre le Portugal. On affiche qui est pour mettre en pile bagarre, monsieur, le tenu compte qualité football, chaque équipe ça. Effectivement, Maroc qui était dominateur contre l'Iran, mais même si dommage, j'étais perdu contre cette équipe iranienne. L'équipe du Portugal à l'écran.
et Steven Zunoni. Oui, Portugais qui a joué dans le goal avec Rui Patricio, José Fonte en défense, Pepe, Rafael Guerreiro, Cédric Suarez, William Cavallo, João Moutinho, João Mario, Bernardo Silva, composé 4 milieux de terrain, et puis Cristiano Ronaldo, Gonçalo Guedes pour yon équipe portugaise en 4-4-2. Cristiano Ronaldo qui pral joindre support Gonçalo Guedes dans la ligne attaque équipe portugaise. Là. C'est ça, voilà, yon 4-4-2 classique. Et pour le Portugal, ça qui arrive Jean-Ouel dans la télévision oui, là. Au niveau d'animation, il et puis ballon excentré, schéma tactique changé carrément. Ça arrivait très souvent. Salutations entre les deux coachs. Hervé Renard et Fernando Santos. Hervé Renard, c'est un français. Et puis et Fernando Santos, bon, on dit Fernando Santos, bien sûr. Non, Guétan dit, monsieur sorti. C'est vrai que on est, le Brésil a été colonisé par le Portugal. Donc, on a besoin en pile Santos au Portugal, tout comme au Brésil. C'est des noms abjoints qui semblaient en pile, qui très rapprochés parce que Portugal a colonisé le Brésil. C'est ça qui fait que c'est le seul pays en Amérique du Sud qui parlait Portugal, qui n'a pas parlé espagnol parce que le Brésil a été colonisé par le Portugal. Le Maroc, à présent, grâce à Antoine. Pour l'équipe marocaine dans les buts, Munir El Kajoui en défense Manuel Da Costa, Mehdi Benassia, Akraf Hakimi, Nabil Fekir et puis au milieu du terrain, Ambak Moussoufa, Karim El Amadi, Younes Belanda, Hakim Ziyech, Nabil Diral, à la pointe de l'attaque, Nordim Amrabat, le 11 de départ de l'équipe marocaine qui était nous signalé Jérôme Pierre en ce qui concerne Brésil et Portugal, deux équipes saoudiennes, même surnom, c'est les SAR. À la, oui, différence, à la différence pour l'équipe portugaise là, on capable de toujours dire c'est les Saudas Kinas qui lui-même le dit la sélection des machines ou encore la sélection aux 5 écus. Alors voilà, Fernando Santos qui t'a réalisé un exploit, monsieur, en France lors de la phase finale de l'Euro 2016. Personne pas t'attendre Portugal à niveau ça. Eh bien, puisque l'équipe là, t'es gonné qui est Cristiano Ronaldo, eh bien, t'es gagné vraiment une organisation de jeu qui était remarquable. Eh bien, il est arrivé fait ça que t'es fait en France là, grâce à cet homme. S'il est vrai que en finale, Cristiano t'es blessé, même si après le passé de joueur à coach. oui. Puisque c'est monsieur qui était le leader. Au moment donné, monsieur mettait Fernando Santos. Mettait costume de leader sous lui et pour t'y aller. Même les aider à monter dans le match, monsieur dit c'est pour le marquer goal. Qui t'a nous précisé, match ça a joué dans le stade Loujniki à Moscou, dans le centre la Russie. Et c'est arbitre américain McGregor qui lui-même va diriger la rencontre ça. Et McGregor sous arbitre principal à assistance vidéo. Et c'est bien l'allemand Félix Zweier. Oui, McGregor que nous habitué dans haut niveau en T. Déjà, l'arbitre américain. Et c'est parti, madame, monsieur, entre le Portugal et le Maroc. Attention, ballon pour le Maroc. Yo tout de rouge. Donc, c'est tirage au sol qui bat au couleur. Équipement ça, yo fait avant que yo même. Yo fait match. Oui, et tous les deux équipes, yo gagne même couleur. Oui. Rouge et vert. Et c'est tirage au sol. Justement. Qui bat équipe portugaise là, yon statut de déplacement, puisque c'est Maroc pour le moment qui joue tout de rouge et l'équipe du Portugal. Alors, la Maroc tout de blanc. En rouge et vert. Rouge et vert. Attention, le centre de Nordine Amrabat. Ballon contré. Deuxième balle pour Achraf Hakimi. Le Madrilène, il est formé au sein de l'équipe du Real. Donc, il faut qu'on connaisse l'autre club de Karelli. Achraf Hakimi, 19 ans seulement. Attention, on passe à qui contré de Hakim Ziyech. Ballon récupéré par les Marocains. Monsieur, j'aimerais Maroc à commencer le match là, monsieur. Et sous le chapeau de roue, puis Gavin pour contre, monsieur. Attention coup de tête. Steven Dieudonné. Oui, parce que là, c'est match ça pour Marocain au couvé. On a rappelé que c'est la seule sélection qui était qualifiée. Alors, Maroc était qualifié sans que le pat encaissé. Même yon goal dans l'éliminatoire zone africaine. Maroc pas de connaître défaite pendant l'éliminatoire là. Maroc pendant match amical de tout, qui pas connaître défaite pendant match préparation. Et bien, sélection marocaine, lui-même qui était seulement sur une défaite 0-1 contre sélection iranienne lors de match inaugural là pour équipe ça, dans l'édition ça. Et bien, équipe marocaine, c'est nous capable de venir avec l'idée de revanche. Mais il faut rappeler tout que Maroc face à Portugal, c'est une seule confrontation et victoire là, c'était pour l'équipe marocaine en 1986, c'était dans la Coupe du Monde.
Ballon donc pour le Maroc. Yo joue dans la défense pour Mehdi Benassia. Mehdi Benassia cap jeu comme arrière central droit. On relance de goalkeeper là pas bon de contrôle pas de bon tout et ça qui fait que l'équipe marocaine n'a gagné. Ballon dans couloir pour Nabil Dira. Nabil Dira fait passe là. Ballon pour le Portugal puisque le Maroc perd il. Maroc reprend ballon. Mehdi Benassia les joueurs Nabil Dira. Nabil Dira cap jeu latéral droit en deux équipe marocaine qui était perdu n'a pas que ça non un premier match contre l'Iran. On a Nabil Dirar à l'écran. Nabil Dirar qui saute fait dégagement et que Nabil Dirar a 32 ans monsieur Aponoré là 39e sélection il gagne il déjà marqué 5 goals. Nabil Dirar justement et qui c'est latéral droit équipe portugaise là. Attention ballon marocaine et bah la réception bien joué contre l'homme d'Acolnet. On passe en de terrain en allant est-ce qu'il y a faute sur le joueur portugais mais non ballon pour Bernardo Silva. Attention il contrôle le ballon. Attention il peut être capable de centrer dans le poko jaune espace là l'Ikembel toujours attention à ce centre mais non ballon t'est dévié il y allait en corner premier corner pour Portugal et c'est première fois portugais yo arrivé dans zone ça dans match football là alors que équipe marocaine était déjà mené en attaque côté Khalid Boutaïb t'est frappé de la tête mais il t'est passé à côté premier corner match là entre temps corner qui pourra le soulever là pour le Portugal Bernardo Silva sur le ballon attention en pile joueur portugais dans son séparation mais coup de tête défensif là fait on frappe de loin nouveau corner et si vient nous grand pile bas on va le dire là. Ah oui, on sentit que c'est du tac au tac. Oui. Portugais, yo pas donc abdiqué, yo ouais et Marocain, yo même yo vini, t'es voulu prendre d'assaut depuis début match. Alors état d'esprit, eh bien, personne va vouloir perdre. Non. Match ça. L'important c'est de gagner. Attention à ce centre. Cristiano Ronaldo. Go. Nous voyons bah, la présidence. Nous mettons l'enveloppe. Nous baillons Ona. Nous baillons Ondal. Nous baillons Batri Megavoldi. Nous baillons Etchakli. Nous baillons Institution Chrétienne d'Haïti. Nous la guillons le DGI. Nous voyons le KEDH. Nous mettons l'on canet. Nous baillons BNC. Nous baillons Euroceram. Nous avons fait mon belle. En tout cas, nous avons belle avec Euroceram. Et puis Top Tailleuse, monsieur. Top Tailleuse. Si vous connaissez KO tout ça. C'est Fun Roche et donc et puis et ainsi attention monsieur regardez qui j'aime se sauter au pour faire des gols là monsieur attention Jérôme Pierre monsieur sauter monsieur n'importe quelle image on va partager gol ça avec la présidence. La présidence, c'est le premier bagandi. Ah, okay. Mettez l'enveloppe, vous voyez, la présidence. Cristiano Ronaldo, quatrième réalisation ligne oui. Mondial Russie 2018. Là. C'est le septième but de Cristiano Ronaldo dans l'ensemble. La phase finale Coupe du Monde. Oui, effectivement. Sept buts en Coupe du Monde pour CR7. Cristiano Ronaldo. 85e goal Cristiano Ronaldo au total en sélection portugaise. Il y a deux goals pour égaler. Eusebio. Attention. Gardons misère, monsieur, ne que ça fait mon passé, monsieur. Oh, monsieur. Pour moi, mon fontine est comme ça, la gueule sur terre, monsieur. Si Cristiano Ronaldo capable d'inscrire deux goals encore dans le match, l'a venu premier joueur cause, qui inscrit deux triplés dans une phase finale de Coupe du Monde consécutive. L'autre là beaucoup bas et non monsieur Poupil. Entre temps, ballon donc pour équipe marocaine. Maroc gain problème. Maroc gain problème. Ballon en retrait. Et pour Manuel Da Costa. Manuel Da Costa. Et monsieur c'est petit. Alors monsieur c'est petit, yon portugais. Maman monsieur c'est yon. Et franco-marocaine. Manuel Da Costa. Oui, et monsieur fait en ballon. France. Justement, il est né en France. Civil, monsieur fait là, il est Saint-Max. Entre autant, on a parlé justement de Manuel Da Costa. Alors, pendant parler de Emmanuel Da Costa, qui lui-même pas fait au Maroc, 17 Marocains dans la sélection nationale, ça, dans la sélection, ça, il n'y a pas fait au Maroc. Oui, 17 oui. Là-dedans. Oui. Dans 23 joueurs. Dans 23 joueurs.
Parce que nous devons pas la famille. C'est pour ça. Entre temps, on a le numéro 8, Karim El Amadi, et qui saute paraître à l'écran. 1 pour le Portugal, 0 pour le Maroc. Monsieur Cristiano Ronaldo, c'est lui qui manque le goal plus rapide dans la Coupe du Monde. Ça. Nek qui manque le goal plus rapide. Le premier goal qui fait sous pénalité, il manque la 3e minute de jeu. Et là, il score à la 4e minute. Pour qu'il y ait quelqu'un qui te manque le goal de très tôt comme ça dans la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, Jérôme Pierre, qui a mené 4-0. Bon, tout le bagage que ça fait, monsieur, c'est le bagage qui prend le cri par un pile bas et record. Qui a fait, monsieur, il faut que ça a lui-même. Et puis, il faut nous rappeler, Cristiano Ronaldo a 33 ans et quelques mois. Mm-hmm. C'est un joueur qui n'a pas avancé en âge, mais ça n'a pas empêché. Non, monsieur, il y a pile mois pour le jeune 34 ans. Parce que monsieur fait 5 février. 5 février, monsieur fait 1992. Et alors, chaque... pas 92, non, 85. Oui, 7 février 1985. Yeah. Ça qui valide 33 ans. Neymar lui-même fait 5 février 1992. 92. Neymar fait dans le même mois, même date, monsieur. 5 février 92, Neymar fait. Entre temps, Marocain à l'attaque, Jérôme Pierre. Entre temps, attaque ouais, dans défense, du non? Maroc. Les conservations du ballon. Manque à pas attaquer. Attention, la passe dans le dos de la défense. Le centre en retrait. Bon placement dans la défense portugaise là. Pral gon dégagement qui fait. Et ballon pas joué. On joue portugais. Cristiano Ronaldo pas en mesure pour le jouer. Ballon en retrait pour Mounir. Mounir gué ballon. Mounir joué. Et Mehdi Benassia. Mehdi Benassia glisse le sous Nabil Dira. Nabil Dira a fait passe là dans même couloir. Marquage de zone yo fait, marquage de zone yo fait, marquage de zone yo fait, marquage de zone yo fait. Attaque du Portugal, attention, mettez frappe la Cunha, Cristiano Ronaldo. Ouais, problème papa, problème. Non, gardons misère monsieur. C'est à côté. Cristiano Ronaldo. Monsieur Gonne qu'a bon test café monsieur pendant temps des matchs Portugal là après commencer contre le Maroc, tasse là commencer sur café boulil. Entre temps. Gardons misère, monsieur. Je vous misère fini, m'pile, monsieur. Vous êtes sur la télévision nationale d'Haïti. Cristiano Ronaldo, auteur du premier but de cette rencontre hein, contre le Maroc. Hein, auteur de son 4e but dans cette Coupe du Monde. Hein, Cristiano Ronaldo. Monsieur, pour notre fin de qualité, saison sacrée Real Madrid. 15 goals dans la Ligue des Champions. Il remporte un 3e titre Ligue des Champions consécutif. Et puis, Kounia là, pour ne pas être dans la Coupe du Monde, là, pour une saison pleine. Comme ça, ou à jouer Coupe d'Espagne, ou à jouer Liga, ou à jouer Ligue des Champions, ou dans la Coupe du Monde des clubs, ou à jouer match final Super Coupe d'Europe, ou à jouer, oh monsieur, et vous n'êtes pas être en forme comme ça, monsieur. Monsieur, son modèle, monsieur, son modèle, monsieur, son modèle. C'est un bon travailleur. Mon responsabilité me dit ça, monsieur. Son nez dit mes fanatiques Cristiano Ronaldo, ou pas réussi, qu'on nous sommes bluffés. Attention, ballon passé devant Bouchkan, équipe portugaise là, Maroc a cherché. Égalisation Portugal a cherché ma compte deuxième goal. Voilà le centre et puis pour le gagner. Et coup de tête ça du numéro 14 Mbak Boussoufa. Mbak Boussoufa qui fait coup de tête là, mais on y est pas tombé. Et sous action ça, donc c'est pour on relance. Et pour le Portugal, long dégagement dans la défense là, ballon repoussé. Et c'est une touche Cristiano alors, c'est Ronaldo. On passe, c'est on passe raté de Cristiano Ronaldo, s'il avait fait effort pour empêcher le ballon sorti, mais remise liant pour Cédric Suarez, le ballon était allé en touche. Justement, et Nabil Dira, il fait touche là, il y a les là sous joueur portugais, il bat lui, oui, il est capable de faire un bagaille là, et heureusement pour Portugal, il y avait la présence de José Fonte qui contrait centre, et Nordine Amrabat là, entre autres, c'est pas l'on connaît, voilà, côté que il bat José Fonte et puis Nordine Amrabat pour le centrer, mais alors il n'y a pas battu José Fonte, non, c'est José Fonte qui contre Saint-Lan sur le ballon. Hakim Ziyech, Hakim Ziyech pour le centrer, il balance quoi, il a coup de tête. Qui perd la prison, c'est Mehdi Benassia. Mehdi Benassia et qui t'est monté sur Axo ça. Mehdi Benassia, où tu as parlé de 17 joueurs qui pas fait au Maroc. Et bien Mehdi Benassia, il est né d'un père marocain.
papa monsieur le Ahmed El Moudaki Moutadi est d'une mère algérienne, monsieur formé à Marseille. N'a parlé de Mehdi Benassia. Donc papa monsieur c'est un marocain, maman c'est un algérienne. Entre temps on revoit le coup de tête du défenseur marocain Mehdi Benassia, joueur à présent de la Juventus de Turin. Mais écoutez, il était passé en Italie et il jouait à Udinese, il jouait en Roma, là il est dans Bayern en Allemagne. À présent la potée, les couleurs de la Juventus de Turin, il y a faute. L'arbitre central fait signe de continuer. Il n'y a pas faute selon le jugement de l'arbitre central. Match là 1-0 pour Portugal. Donc Gracien Antoine et Steven Dieudonné et moi-même Pierre Jérôme, nous sommes trois pour assurer l'animation, pour apporter des commentaires juste autour de cette rencontre entre le Portugal et le Maroc. Attention, la déviation de la tête, ballon contrôlé par le Maroc, la réception qui dribble, bon bagaille, Hakim Ziyech, il joue dans l'axe, la déviation de Mbak Boussafa, ballon à gauche Kounia, attention soit fait, l'équité dans le même couloir, marquage de zone en fait, pas qu'il y a trop espace, finalement ballon contre le sorti en touche, boule la chaude sous télévision sur l'Haïti. 1-0 grâce à Antoine en faveur l'équipe du Portugal. 1-0 pour Portugal, but marqué par Cristiano Ronaldo à la 5e minute de jeu. 4 buts pour Cristiano dans cette Coupe du Monde. Yon Cristiano Ronaldo en pleine forme dans la Coupe du Monde. C'est yon corner avec Younes Belanda. Corner au profit de la sélection marocaine. Le Maroc en difficulté. Le Maroc Doromur, le corner avec l'équipe marocaine. Le ballon soulevé, dégagement de la tête, le rebond est favorable à l'équipe marocaine. Jouer, monsieur. Le centre, ballon de la surface, coup de tête, mais c'est à côté des buts de Willy Patricio, Manuel Robins, D'Acosta. Oui, Manuel D'Acosta. Manuel D'Acosta qui était poté couleur Portugal, mais c'était en catégorie de jeunes, surtout au niveau des moins de 15 ans. Manuel D'Acosta qui était bien possibilité pour jouer pour sélection portugaise là, mais qui finalement choisit après, donc conseil par Lio, choisi jouer et pour sélection marocaine là. C'est ça, continue l'information, monsieur Manuel D'Acosta. Monsieur formé à Nancy en France. Il était passé dans PSV, il jouait dans Fiorentina, il jouait dans Sampdoria, il jouait dans West Ham United, qu'on est à jouer dans Istanbul. C'est-à-dire Istanbul, Basaksehir. Le ballon qui sort en touche, nous voyons Cristiano Ronaldo, CR7 qui voulait prolonger contrat dans l'équipe Real Madrid là avec un pile l'argent rentre de touche du côté des Marocains. Ballon au profit de la sélection portugaise, la passe en direction de Joao Mario, ballon en retrait sur William Carvalho, ballon à gauche, le Portugal avec Rafael Guerreiro, le centre, ballon au profit de l'équipe du Maroc qui récupère, le Maroc au niveau de la défense, la passe en avant, la passe à droite en direction de Nabil Diral, ballon en retrait, la passe au milieu du terrain en direction de Mbak Moussoufa, équipe marocaine gagne ballon en mer au marquage, trois joueurs portugais, le Portugal en possession de la balle, le Portugal qui attaque, la passe en avant sur Cristiano à droite, on lui remet le ballon, Cristiano Ronaldo en retrait, déviation sur la droite, la passe en avant, le Maroc en défense, le Portugal à l'attaque, le centre, ballon de la surface, le dégagement final de la défense marocaine, le rebond au profit de l'équipe du Portugal, la passe sur le flanc droit avec Joao Moutinho qui prolonge en avant, le Portugal en possession de la balle dans leur propre territoire, Pepe, William Carvalho qui donne en avant, on remet à William Carvalho, la passe à droite sur Joao Moutinho pour
pour Ossie Fonte, la passe d'Ossie Fonte. C'est plutôt Pépé. Pépé en retrait pour Patricio. La passe pour Ossie Fonte. Ossie Fonte en possession de la balle. Ossie Fonte, défenseur central gauche. La passe sur Ossie Fonte. Ossie Fonte à gauche. La passe en avant. Le Portugal en possession de la balle. Maroc, pour le moment, a fait pressing. La passe en avant. Oui, en direction. La passe sur Joao Mario. Maroc va le récupérer. Mais il y a faute. Il y a faute de Amrabat, l'attaquant de l'équipe marocaine. 0 pour Maroc, 1 pour Portugal. But de CR7, Cristiano Ronaldo. But inscrit de la tête, Cristiano Ronaldo. Ah, non, dit Amrabat, ouais, vous mettez un bar dans la tête, les gars, pour mettre des santé. Les messieurs, vous tirez ça. La passe en avant et récupération côté marocain. L'équipe du Portugal qui reprend avec Ossie Fonte. Ossie Fonte, oui, Patricio. Oui, Patricio, un long dégagement. Match de sous un rythme, tête chargée, monsieur. Effectivement, match très animé. Jérôme Pierre et Steven Dieudonné. Ballon au profit de l'équipe portugaise. Non, le Maroc en possession de la balle à Amrabat. Amrabat, la passe à gauche. Possibilité de centre. Non, Li contrôlé. Capable de gagner. Non, tir, mais c'est ballon qui contre, tir de Hakim Ziyech. Ballon qui sortit en touche. Il était capable d'adresser passe là à Nordin Amrabat. Oui, Nordin Amrabat qui t'a pas. Mais tout, il y a Khalid Boutaïb qui lui-même était dans la surface réparation déjà, qui t'a tant de passe là. Mais il était préféré, option solitaire là, et frappe là, option perso, alors frappe là, il était contre. C'est ça, la 19e minute de jeu. Attaque du Maroc. La récupération avec l'équipe portugaise. Suarez, Cédric, la passe. C'est Rafael Guerreiro qui va récupérer le ballon là. Suarez a joué à droite. C'est ça, Rafael Guerreiro en retrait en direction de Patricio, Joao Mario, le 210, équipe marocaine n'a récupéré, le Maroc à l'attaque, passe en retrait. Non, Dine Amrabat. Amrabat rapidement en avant pour dire à l'attention, possibilité d'égalisation, mais ballon repoussé, l'arbitre central qui arrête la rencontre. Il y avait faute sur Joao Moutinho. Oui, Joao Moutinho, passe. Décisif sur le but de l'ouverture du score, signé Cristiano Ronaldo. Oui, mais monsieur, c'est le match qu'il fait là. Il pense qu'il y a un brèche dans la défense et Portugal. Oui, là, et Marocain qui a pêché. Moi, Marocain, il est passé avec en facilité, oui, oui, dans la défense là. Oui, à et souvent, il investit dans la carrière, oui. C'est arrivé même dans les derniers 11 mètres, dernier 6 mètres, même équipe portugaise là. Mais jusqu'à présent, la défense là qui a bien sorti. Et à chaque fois, il y a toujours gagné raison face à l'équipe marocaine. Match très ouvert. Est-ce que c'est raison ou gagné ou bien c'est mauvais choix tout et quand même, et ça va au réseau puisque jusqu'à présent, il n'y a pas encore ses goals. Il a gagné seulement un coup de tête avec Mehdi Benassia qui était capté par gardien. Oui, Patricio. Oui, ça m'a parlé. Alors que sur Axor, tu es capable de même gagner faute sur une bousculade de Mehdi Benassia sur Pépé et sur Axor. Alors, tu as un peu de qualité technique, monsieur Marocain, oui. Effectivement, ils ont une très bonne équipe marocaine, même si à chaque fois, ils n'ont pas gagné avantage au score. Est-ce que les Marocains ont des gens qui peuvent stopper Cristiano? Oui. C'est difficile, c'est difficile. Corner au profit de l'équipe du Maroc. Nous avons dit Maroc en deux fois. Yo Poco marqué dans la compétition contre l'Iran. Pour le moment, contre le Portugal. Yo Poco marqué le ballon de la surface de réparation capté par Willy Patricio. Le dernier rempart de l'équipe portugaise. Si, le Portugal champion d'Europe. Si nous avons joué un dernier goal, équipe marocaine dans la Coupe du Monde. N'a pas monté jusqu'à 1998, il y a 20 ans, face à l'équipe écossaise. Là, Maroc a battu 3 à 0 et c'était deuxième victoire marocaine dans la Coupe du Monde. La 20e minute de jeu, la radio et la télévision nationale en direct pour ce match Portugal contre l'équipe du Maroc. Le Portugal avec Joao Moutinho, la passe en retrait en direction de Ossie Fonte. Pépé pour Ossie Fonte.
William Carvalho, le ballon en avant, la passe en direction de Osefonte, la longue passe, récupération côté marocain, intervention du joueur du Portugal, le ballon de la défense portugaise, le Soares. Portugal avec Cédric Soares qui joue en avant, mais bonne réception côté portugais. Gonçalo Guedes. Oui, William Carvalho, la passe en retrait pour Osefonte en avant en direction de Cristiano Osefonte, Pepe. C'est jouant au tiers pour Pepe. Pepe William Carvalho, la passe pour Cédric Soares pour une longue balle. Le Portugal dans le territoire de l'équipe marocaine. Le Portugal qui jusque-là a fait un bon match. Il a mené par 1-0. Et c'était eux-mêmes qui étaient ouvri score contre l'équipe espagnole. Son match garçon pas campé cap jeu là. Oui. Deux fois face à deux adversaires. Il a pris avantage là. Ballon au profit de l'équipe marocaine qui récupère la passe de la défense en direction de Manuel da Costa. La passe à gauche pour Akraf Hakimi qui donne en retrait le ballon de la défense pour Muni El Kadji qui fait une longue balle à la recherche de M. Rabat. Coup de tête de la défense portugaise. Le rebond est favorable à l'équipe du Maroc. Maroc à gauche avec Akraf Hakimi qui fait le pour Hakim Ziyech. La passe de Hakim Ziyech. Le tir de préférence, mais directement sur le portier. Oui, Patricio, le portier de l'équipe du Portugal. Un pour les hommes de Fernando Santos, 0 pour le Maroc. C'est 7e participation équipe Portugal dans la Coupe du Monde. Alors, notre bon défenseur et Portugal, et José Fonte, je crois, arrière central gauche. Arrière central, un super réception ça. Et Pepe, arrière central droit. Et Cédric Soares, latéral droit. Raphaël Guerreiro a joué à gauche. Ballon au profit de l'équipe du Portugal. Le centre à la recherche de Cristiano Ronaldo. Ballon joué par la défense de l'équipe du Maroc. Il y avait Joao Mario pour la récupération. Et Joao Mario qui a commis la faute. Coup franc. Joueur de l'Inter de Milan. Oui, Inter qui prêtait Joao Mario. Mario qui dit que il pas retourner dans l'équipe Inter de Milan. Est-ce que Inter lui-même a fait choix idéal là, l'a quitté ou du moins l'a fait le retourner. Ballon au profit de l'équipe du Maroc. La passe en avant pour MM El Rabat. Ballon en avant. Portugal qui a attaqué avec Amrabat. Maroc qui t'a pas attaqué. Ballon qui sortit en touche Jérôme Pierre. C'est une rentrée de touche en faveur de l'équipe du Portugal. Portugais, nous songeons qu'il était quatrième, dans le mondial 1966 là. Et Portugal, nous songeons ça. Portugal qui définit troisième en 1966. Oui, troisième en 1966. Quatrième en 2006. Ouais. En 2006, l'Allemagne était battue 4-2. Nous rappelons ça après que l'Espagne, alors la France était filmée au dehors dans la demi-finale. Nous songeons en 1966, c'était Eusebio qui t'a mené l'équipe ça. Ouais. Mais depuis l'année d'ailleurs qui définit meilleur buteur, Coupe du Monde ça, 1966, Coupe du Monde que l'Angleterre a remporté sous la nationale Mannschaft. Il y a une Coupe du Monde, pile mon estimé que l'Angleterre n'a pas mérité, mais en pile disposition. Cristiano Ronaldo touché. Ah oui, il a été touché par Mehdi Benassia. Cristiano Ronaldo qui a grimacé. CR7. Oh, un tacle méchant. Avec un pile méchanceté. Oui, monsieur. Très appuyé de la part. Je suis pour le finir à jouer même. Oui, monsieur, descend ce bel sous cheville même. C'est un joueur comme ça. Il y a méchanceté dans la faute là. C'est un retrouvaille entre Mehdi Benassia et Cristiano Ronaldo. Nous songeons Real Madrid contre Juventus de Turin. D'ailleurs, qui était coupable sous penalty match retour demi-finale là, côté sur que Lucas Vasquez. Mehdi Benassia était commettre sur Lucas Vasquez. S'il est vrai, c'est un penalty qui était fait en pile parler, qui était fait beaucoup polémique, mais quand même qui était permettre l'équipe Real Madrid là avec Cristiano Ronaldo et marqué et puis qualifié pour la grande finale. Il y a un relance avec Osefonte, la récupération de la défense marocaine, le Maroc avec Mehdi Benassia, la passe en avant pour Mbaké.
Moussoufa, Mbaka Moussoufa, qui t'a subi faute la main, faute la, fait rapidement le Maroc qui voulait égaliser, mais c'est pas facile dans une défense du Portugal bien en place. Ballon de Manuel da Costa, la longue balle en avant à la recherche de Emrabat. Emrabat à la récupération, oui, Emrabat au marquage, le défenseur portugais, non, est-ce qu'il y a une faute, pas de faute, le Raphaël Guéo s'en sort bien, un long dégagement du pied gauche à la recherche de Cristiano, João Mario qui tape essayé jouer de la tête, mais récupération c'est pour équipe marocaine, non, le Marocain mouvement, bel geste technique papa, effectivement bel geste technique, le ballon au profit de l'équipe du Maroc, bon la football passe, là. Oui, la passe en avant en direction de Amrabat. Récupération sans faute. Estime l'arbitre américain. Le ballon pour le Portugal avec Bernardo Silva. Le Bernardo citizen. Silva. La passe, non, il conserve. La passe finalement, mauvaise passe de Bernardo Silva. Le ballon qui sort en touche. Rentrée de touche en faveur de l'équipe marocaine. On revoit ce contact entre Rafael Guerrero et Amrabat. Amrabat qui avait raison. Est-ce que tu as gagné un pénalty? Pas de gagné. Non, jugement arbitre central là. Puisque là. Deux messieurs, ils ont tiré Mario Lot. Pas de véritablement gagné un faute. C'est arbitre central là qui était bien tranché. Et équipe portugaise là, nous capables de dire. Qui est lui-même bien sorti sous action ça, puisque l'arbitre américain a tranché en faveur de l'équipe Portugal. Et si vous avez donné, match là, qui a joué son rythme effréné, parce que tous les deux équipes ont privé un bon match, une envie prend l'autre, et une sorte d'agressivité soulevée des deux côtés. Le Maroc encaissé de très tôt grâce à gol que Cristiano Ronaldo marqué, hein, mais au senti son Maroc qui n'a jamais baissé les bras, qui n'a jamais abandonné, il a poussé pour être capable de jouer une égalisation. Nous avons suivi un rappel à l'ordre là, qui a fait par directeur de JUA à Hervé Renard, entraîneur équipe sélectionneur marocain. Raphaël Guéo qui semble blessé là. Oui, lui-même, il t'a montré avec Mbako Nessie, entraîneur lui ou encore habite assistant, que côté Nordine Amrabat, Temé était même Rivé Pincelli. Et là, jusqu'à présent, l'équipe marocaine, non, lui-même, dans le match. Maroc a joué football, Maroc pas baissé les bras. J'ai commencé le match là, c'est jusqu'à présent, c'est con ça l'a joué. Mais c'est la différence équipe ça, c'est sens de décision. Alors, prise de décision dans zone de vérité, hein, jusqu'à présent, pour qu'on sente ça à côté marocain. Pour qu'on gagne un joueur marocain qui fait un tir directement qui cadré à la suite d'une action, tant que différentes actions collectives qui ont mené là. On a prétendu pour nous, qui ça, équipe ça, lui-même, capable de minute qui a fini, mais jusqu'à présent, il est toujours dans le match. C'est ça, il y a un défaut où il a été là, il y a un défaut qui est censé avoir un problème, c'est parce que pour ne pas gagner un buteur, il n'y a pas gagner un tueur, question pour lorsque il fait dans une zone de vérité qui est capable de mettre le ballon dans le camp. Attention, Nordine Amrabat, passe la tête difficile pour Nordine Amrabat et qui est pour arriver à jouer le ballon, ça, c'est pour aller en touche pour le Portugal. Hervé et Renard, donc le coach du Maroc, il est âgé de 49 ans. C'est un coach français, Rafael Guerrero, pour être capable de faire touche là. Il fait le déviation de la tête, dégagement de Nordine Amrabat, un coup de tête dans le milieu terrain de Younes Belanda, ballon balancé, il joue dans tout Nordine Amrabat, José Fonte, dégagé Kanli, joueur marocain, aller au sol, et c'est Joao Mario qui te fait faute là. L'homme central octroie le coup franc au profit de l'équipe du Maroc. Attention, on joue en profondeur. Ballon pour l'équipe du Portugal. Attaque donc Bernardo Silva. Les jeunes Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo joue Bernardo Silva. Il a anticipé sous lui. Ballon récupéré par le Maroc. Ballon en défense. Manuel da Costa. Non, voulez dire que son Portugais, monsieur, vrai monsieur. Manuel da Costa. C'est non portugais parce que papa monsieur c'est un portugais, maman c'est un et algérien, maman c'est un franco marocaine. Attention, ballon capté, il y a un joueur marocain qui est resté au sol. L'arbitre américain McGeiger n'a rien dit. Finalement monsieur Pral obligé de lever parce que match a
continuer. Bernardo Silva, Bernardo Silva, Bernardo Silva. Ou gen moun à droite, ou gen moun à droite. Li joue dans axe là. Intervention. Duo sa 14. Mbaka Boussafa. Cristiano Mangé. Nal fait faute. Bon, Cristiano, non, ma tribu. Cristiano Mangé, Jérôme. Nal fait faute. Bon, t'as de Cristiano Ronaldo là. Nous t'as de ça, nègre, la marche fait dans Galilée déjà. Et puis, monsieur, nal fait faute là. Faute commise par Nabil Dira. L'entrée surface réparation. Hein? Apportez nous action tout à l'heure, l'autre côté que tu as gagné un petit poussade de José Fonte. Alors, moi, je dis José Fonte, moi, je dis José, m'a dit Ose. Alors, précision, c'est parce que Portugal, il a prononcé lettre J. C'est en espagnol, il n'a pas prononcé lettre J. Si c'est en espagnol, monsieur, il a dit Ose, parce qu'en espagnol, il n'a pas prononcé lettre J. Mais dans la langue portugaise, il a prononcé lettre J. Ça fait me dire José Fonte, José Mourinho. Donc, ouais, il n'a pas dit Ose Mourinho. C'est bon José quoi. Mourinho. Donc voilà Portugal avec Cristiano Ronaldo qui a une possibilité pour le scorer pour une deuxième fois sous coup franc direct. Problème marocain yo et pour aller mettre tête un gros problème là. Cristiano Ronaldo gardez acteur monsieur, gardez acteur. Mais bel athlète monsieur. Bel athlète monsieur. Ouh, les gars vont définir son tête chargée monsieur. Entre-temps Cristiano Ronaldo Farao moins Jacques Gatin ballon donc pour près de 18 mètres. Cristiano Ronaldo exactement 18 mètres. Attention ballon contré dans défense là dans Mulan. Entre temps c'est équipe Portugal qui gagne. On passe en couloir, passe en retrait et William Carvalho. Attention, le contrôle pour le bon centre. Centre qui contré. Et c'était Pépé qui était dans la zone. C'est Pépé qui peut descendre. C'est Pépé qui va le faire centre à pied gauche là. L'ancien joueur du Real, Pépé qui plaît la Véran, qui a pris l'âge malheureusement. Mais c'est on est qui vient jouer et une belle progression en fin de carrière. Ah oui, et nous rappelons-nous dans l'équipe Real Madrid là, à chaque fois que vous avez relégué jouer ça sous banc remplaçant, il a toujours fait une façon de retourner. Toujours dans la lutte avec Raphaël Varane, nous songeons nous époque Mourinho, comment jouer ça en difficulté. Et il était venu rejoindre une place avec entraîneur qui était vidéo. Finalement, il a quitté l'équipe Real Madrid là. Actuellement, il a évolué dans l'équipe Besiktas là. Et PP avec Besiktas qui était éliminé et dans 8e de finale des champions, c'était contre l'équipe Bayern Munich. Là. Attention, Joao Marotinho soulevé corner là et Pepe fait remise là. Dégagement de Nordine Amrabat. Portugal gagne à faire un ballon de terrain. Ballon passe de et Rafael Guerreiro qui était fermé terrain. L'abjet latéral gauche. Attention, William Carvalho, il joue dans le couloir. Passe en retrait. Ballon pour Portugal. Portugal 1, Maroc 0. On passe un peu à gauche. Attention, Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro. William Carvalho, William Carvalho, William Carvalho en retrait. Ballon pour Pepe. Pepe gagne ballon. Noël José Fonte Fontibac. Pepe gagne le Cunha. Pepe joue en profondeur. Passe à Tefet Rasol. Ballon pour le Maroc. Attention. Ballon pour Hakim Ziyech. Hakim Ziyech. L'aller un peu à gauche. Li. Attention pour Mbak Moussafa. Ballon pour Mbak Moussafa qui va centrer. Il préfère jouer en retrait. Attention. Non, pas fait ça. Pas fait ça. Pas fait ça. Ou pas, ouais, petit oiseau là. Pas fait ça et Karim El Amadi. Karim El Amadi qui peut être tout très dans les airs monsieur. Hakim joueur de Feyenoord de Rotterdam. Oui, Hakim El Amadi qui saute fait un shoot qui rate et complètement et donc c'est pour Hakim et Karim et Hakim El Amadi monsieur qui a 33 ans monsieur l'a honoré la 54e sélection li monsieur fait 27 janvier 1985. Attention monsieur qui même la Jacques Cristiano Ronaldo puisque il fait dans même il fait dans même année avec lui. S'il est vrai que il fait dans premier mois en janvier Cristiano fait dans deuxième mois année en février. Entre-temps voilà en parlant du loup on voit ça que Cristiano Ronaldo l'inévitable, l'incontournable, le buteur patenté, Cristiano Ronaldo, n'est-ce pas jamais fatigué, n'est-ce pas jamais suspendu marqué, n'est-ce pas assoiffé de titres, assoiffé de buts. Donc l'aile son terrain, l'hypoco marqué pas senti l'empêche, l'aile son terrain, il sentit que la batte équipe n'est pas senti l'empêche. Donc son équipe consalier, son équipe toujours déterminé, motivé, on ne peut plus, pour le capable de faire résultat, son équipe pas n'a fait échec, échec pas fait partie, eh bien, et
objectif Cristiano Ronaldo, monsieur prend un bagage comme ça, c'est réussite tout le temps, c'est résultat tout le temps, c'est ça fait qu'elle fait un pile effort, ça fait le travail en pile. Portugal contre Maroc, attention, match à 1-0, coup de tête défensif, danger, ballon capté par Rui Patricio qui mettait tout le monde d'accord. Portugal 1, Maroc 0, l'inévitable, l'incontournable, le but est patenté, Cristiano Ronaldo qui a marqué, et du même coup, il prend tête classement buteur Coupe du Monde là, puisque bon certain Denis Cherichev qui tape talonné Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dit puis poser, et Denis Cherichev poser, d'ailleurs, t'es dans Real ou pas même rester même, soit que Denis Cherichev ou t'es dans Real ou pas même rester même, Cristiano Ronaldo donc. Ah, Denis Cherichev qui a fait une très bonne compétition, oui, jusqu'à présent, ça on peut le dire. 3 goals dans 2 matchs, et Lyon était commencé comme remplaçant. Ah oui, Denis Cherichev, d'ailleurs, dans top 10 goals que nous avons fait dans la dernière émission en spécial que nous avons fait sur Coupe du Monde, là, Denis Cherichev était classé parmi 10 plus belles goals. C'était le deuxième goal dans la compétition face à l'équipe Arabie Saoudite. Là. Denis Cherichev, qui est le numéro 1. Denis Cherichev en deux fois, monsieur, qui finit meilleur joueur match. Et c'est-à-dire, monsieur a pas avancé là, avec une bonne Coupe du Monde en deux matchs, deux titres meilleur joueur du match pour Denis Cherichev. C'est ça. Et Cristiano Ronaldo qui peut être capable de partir là pour un deuxième titre meilleur joueur dans le match. Parce que c'est lui qui est premier joueur dans le match et contre l'Espagne grâce à triplé qu'il a fait. Hein. Et donc Cristiano Ronaldo qui est déjà marqué dans le match là, c'est à la 4e minute de jeu. Donc Coupe du Monde, ça, madame, messieurs, l'Iran possible sous télé à Radio Nationale d'Haïti grâce à la présidence ONA, Honda, Batterie Megavolt et Track, Institution Chrétienne d'Haïti, la DGI, EDH, la BNC, Euro Céram, Top Tires et AIC. Voilà, il y a place toujours. Il y a 3 euros pour ne pas faire moi ça. M'a vini, m'a dit à la mi-temps. 3 euros pour faire moi ça. Entre temps, ballon donc Cédric Soares, Wapton Farah Odney. Entre temps, pour tenter qui 3 euros pour ne pas faire. Attention, ballon donc pour le Maroc. Marocain va pas attaquer dans le couloir gauche là. Attention, c'est là où passe en pile. Marocain passe à l'aile en pile, monsieur. Il passe à l'aile en pile. Attention, au moment donné, c'est à droite, Amrabat. Et on, l'autre moment, c'est dans le coin ça. Toujours gagné la Dani, le numéro 7 marocain. Hakim Ziyech. Attention, ballon pour le Maroc. Nous pas loin. Et mi-temps match là, passe en retrait. Il y a les sous Ashraf Hakimi. Les joueurs profondeur et contrôle un peu manqué. Mais le gagne quand même. En allant. Ballon contrôlé par le numéro. Et 16, non, c'était de préférence Khalid Boutaïb, ballon à gauche, attention, passe, la déviation, bon bagaille, il y a pour un bon football, mais pour diable, il n'y a pas de monde qui peut faire décision finale, à savoir mettre ballon à camp, il y a fait tout ça qui est dans le jeu là, sauf que il y a pour être capable de jouer, attention, pourtant, et Portugal lui-même, le bon monde, même le Portugal n'a pas fait tout le bagaille dans le jeu là, mais le bon monde qui va mettre ballon dans le filet, c'est ça qui est plus intéressant. Là, qui est intéressant, monsieur. Ou bien doit et. Oui, l'important c'est de marquer, l'important c'est de scorer. Les Portugais ont approuvé ça, sans réalisme, surtout avec Cristiano Ronaldo de la tête, 4e minute qui frappait pour l'équipe portugaise là. Maroc qui jusqu'à présent a joué match lui, s'il est vrai au niveau de possession de balle, où celle-ci c'est une cap dit presque collé, 51-49. Maroc qui toujours dans le match, que nous continuons à deal. Et jusqu'à présent, pour nous-mêmes, c'est l'équipe marocaine qui a joué. Mais là. Gonzalo Guedes qui n'est pas trop ouais, n'est pas trop ouais dans match là, même sur on passe de Cristiano, voilà. Pas de hors-jeu. Fait 2-0. Non, là, il y a des occasions pas ratées. Qui est capable de tourner un match là? Oui. Qui est capable de tourner un match là, Gonzalo Guedes, qui a une possibilité, qui a une possibilité pour le permettre, équipe portugaise là, faire break là. N'est-ce qu'on pas contre tes groupes? N'est-ce qu'on pas fait? Entre temps, gagné faute. Encore, Mehdi Benassia. Ah, ça m'a dit. C'est ça m'a dit. Faut que monsieur Gonti baille. Non, mais lui, parce que monsieur Gonti, quelque temps là, baille avec Zola. Mehdi Benassia, il est né d'un père marocain. Et papa, monsieur, il est Ahmed El Moutadji.
et d'une mère algérienne. Il est formé au sein de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Il a joué au sein de l'équipe de l'Udinese, de l'AS Roma et du Bayern Munich. À présent, c'est un footballeur turnois. Qui t'a mérité carton ça, sous faute qu'il défait sur Cristiano Ronaldo. Arbitre central là, très clément avec lui. Mais là, il t'a suivi Benassia et donc sous faute ça qu'il te commet là, il a averti lui et pas un 4 jaunes. Ballon donc pour le 40e minute de jeu. Oui, et 40e minute de jeu. Grâce à Antoine. On va chercher un bagage. Oui. Raphaël Guerrero, très rapidement pour l'exécution de cette rentrée de touche. Le Portugal cap chercher un deuxième goal avec Guedes. Mais ballon dégagé par la défense de l'équipe marocaine. 0 pour Maroc, 1 pour Portugal. C'est deuxième goal. Équipe marocaine encaissé dans la compétition. Alors que yo poko marqué Amrabat, Nordine Amrabat, Hakim Ziyech, Younes Belanda, monsieur Sayo Poko marqué pour Maroc, alors que c'est eux même qui a mené l'équipe marocaine dans notre attaque. Ballon en défense avec l'équipe marocaine, notamment Mehdi Benassia, la longue balle en avant à la recherche de Amrabat. Là on a suivi la passe de Cristiano Ronaldo pour Guedes. Il aurait dû marquer heureusement Gonçalo Guedes. Le joueur du FC Valence. Il n'est pas contre Gokob. Oui, et Guedes qui pas marqué. Guedes, attaquant pointe de l'équipe du Portugal, aux côtés de Cristiano Ronaldo. Coup de tête de la défense du Maroc. La tête à nouveau. Le rebond au profit de l'équipe du Portugal. Le Maroc reprend. La présidence Ona Onda Megavolt et Track. Institution chrétienne d'Haïti, la TGI, EDH, la BNC, Euro, Ceram, Top Tires et AIC. Ballon au profit de l'équipe du Maroc. Ballon en retrait en direction de Mehdi Benassia. La passe à gauche pour Nabil Diral. Nabil Diral, ballon toujours à droite. Maroc cap essayer de sortir, mais c'est pas facile. Ballon en sortie en touche. La rentrée touche avec le joueur de l'équipe du Maroc, Diral. Attention, équipe marocaine en difficulté. Yo face à l'équipe portugaise. Gazda, ils ont équipe qui a fait un bon match contre l'Espagne. Nous songeons ça. Alors, ballon à qui? Monsieur, dans le match, c'est dans combien de minutes pour mes goals tu as marqué dans le match? Et question tu as passé en bas écran. Et je pense que c'est un bon téléspectateur, auditeur qui peut-être est en gagné là. Cristiano Ronaldo 4e minute en tout cas nous va suivre pour nous puisque nous connaissons téléspectateurs auditeurs téléspectateurs ont déjà relé. Oui c'est ça, c'est possibilité ça même, c'est possibilité ça même pour nous gagner. Et donc c'est avantage ça télévision nationale d'Haïti avec téléspectateurs. Donc parmi eux on va dire pour nous faire, on pense certainement pas suivre pour du monde sur télévision nationale d'Haïti tape une pigoye donc sur radio télévision nationale d'Haïti tape une pigoye au monde. On suit attaque ça avec équipe marocaine dans ballon en surface préparation. Attention, danger, mais ballon dégagé. L'hip-hop sorti. Raphaël Guerrero pour le dégagement. Coup de tête dans le camp marocain. L'équipe du Maroc y a cherché égalisation, mais c'est pas facile. La passe en avant pour Amrabat dans surface dans le centre. Bonne réception. Quel sang-froid de Cédric Suarez, Jérôme Pierre, Raphaël Guerrero, ce joueur qui était lié pour portier, équipe Portugal là, oui, Patricio là, oui, lance très rapidement le Portugal qui voulait rentrer dans le vestiaire avec avantage à dribble du joueur portugais Suarez. Ballon à droite à nouveau Bernardo Portugal Silva en possession de la balle. Ballon en direction de William Carvalho. Bon contrôle de balle. La passe en avance sur João Mario. J'ai récupéré le ballon avec autorité, monsieur. Alors s'il est vrai, c'est l'étape contention parce qu'il fait pour Carvalho, il rate, il perd du contrôle ballon. Et puis heureusement pour lui, joueur là marocain, lui-même il était raté, voilà. Et puis il montrait que il y a une solidité. Il y a grand monde là, papa. Il récupère le ballon.
Cavallo. William Cavallo, vice-champion d'Europe espoir avec la sélection portugaise et champion d'Europe 2016. C'est un très bon joueur. La sélection senior. Oui, un très bon joueur, William Cavallo, convoité par plusieurs clubs, plusieurs gros clubs européens, mais jusque-là, l'Ipoko jouait un transfert beaucoup plus intéressant. Le Portugal contre le Maroc, 1-0 grâce à Cristiano Ronaldo et ses 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes nous séparent du temps réglementaire, nous séparent de la fin de la première mi-temps entre le Maroc et l'équipe du Portugal. Younes Belhanda qui était passé nous en pile difficulté la, sur dernière action Belhanda et joueur il a quitté champ de jeu après pour lui retourner oui. Joueur ça qui lui-même Younes Belhanda qui a évolué dans l'équipe Fenerbahçe c'est plutôt dans formation en Galatasaray là Younes Belhanda lui-même il a évolué il a quitté champ de jeu pour lui retourner après qu'il était touché tout à l'heure oui Younes Belhanda. Et voilà le numéro 10 du Maroc, Younes Belhanda. Attention, ballon donc, on joue les minutes d'arrêt de jeu. 1 pour Portugal, 0 pour le Maroc. Nordine Amrabat qui est arrivé. Non, Will qui est arrivé quand même. Mais bousculade. Il y a une photo à Bicentral. Il y a une photo de Rafael Guerrero. Rafael Guerrero fait photo sur Nordine Amrabat. Donc c'est pral en couffrant. Et pour le Maroc, puisque tu as gagné une bousculade de et Rafael Guerrero sur Nordine Amrabat. Entre temps, c'est pral en coup franc et pour le Maroc. Excentré. Maroc et cap cherche égalisation. Est-ce que l'a toujours ni là? Attention, coup tête en fait. Oh là là! Younes Belhanda. Younes Belhanda pas marqué sur action ça, madame, monsieur. Pourtant, Maroc a gagné un bon coup à jouer sous coup français. Mais Younes Belhanda, il est âgé de 28 ans. Il a honoré la 52e sélection dans la carrière. Il a déjà marqué 5 goals. Il a 28 ans. Timoun 90. Entre temps, c'est pour aller en dégagement dans le terrain. Ballon, la passe pour Achraf Hakimi. Achraf Hakimi passe bien lu par Cédric Suarez qui tacle les ballons, mettez en touche. Touche pour le Maroc. Roulette pour Achraf Hakimi. Bien joué. Attention, ballon pour le Maroc. Gardons bataille pour possession de ballon. Match garçon comme je l'ai. Match garçon. Match la chaud sous tenache. Boule la chaud. Entre temps, c'est ballon coup franc pour le Portugal. 1 pour le Portugal. 0 pour le Maroc. Si vous venez de nous rejoindre, madame, monsieur, sur la télévision nationale d'Haïti et la radio également. Portugal contre le Maroc. Portugal, s'il fait victoire, ça l'a bien positionné pour décrocher billet qualificatif pour les huitièmes de finale. Puisque dernier match Portugal, c'est pas contre l'Iran. Voici l'homme, oui, Cristiano Ronaldo qui inscrit 43e goal Coupe du Monde là. 43e goal Coupe du Monde là. Et qui nous dit pour Cristiano Ronaldo, c'est capitaine sélection portugaise là, c'est joueur qui plus capé en sélection, 151 sélection, c'est meilleur buteur toute histoire pays ça, 85 buts marqués, il était gagné 84 buts avant match ça, il marquait 85e là. Alors aujourd'hui, monsieur, tu as parlé de héros que pour monde pas fait monsieur pendant Coupe du Monde ça, héros pour pas fait. Parle cadeau tes yeux parce que une pour Zoré ici hein. Parle cadeau tes oreilles tout parce que nous dit déjà une pour jeune gain pour Zoré. Et puis parle trop sous canéo. Parle trop parle en courrier à la banque parce que président ça bail cob. Donc parle gaspiller petit comme gain déjà. Donc voilà, c'est 3 euros ça pour pas faire pendant mois Coupe du Monde ça. Voilà, Coupe du Monde ça madame monsieur, li patronné par la présidence ONA, Honda, Battery Megavolt et Truck, Institution Chrétienne d'Haïti, la DGI, EDH, la BNC, Euroceram, Top Tires et AIC et puis gagné collège Saint-Georges qui trouvait li tabar 35 et boulevard 15 octobre et bien qui gagne Gadri, qui gagne Kindergarten, qui gagne
lycéen primaire, directrice des études là, c'est madame Ludji Zéphirin, ou capable et pour jouer une information sur l'école ça dans 48 85 30 12. N'a propose là, n'a tourné pour des commentaires à la mi-temps. Portugal 1, Maroc 0. Merci pour attention à Capacenso, quel que soit côtoyé que vous regardez télévision et vous attendez radio nationale d'Haïti pour suivre 21e édition Coupe du Monde. Ça, nous disons ça déjà pour moi ça, du 14 juin au 15 juillet, parle qu'à docteur yeux, parle qu'à docteur oreilles et puis parle en banque. Qui était là? Pour qui ça? Parce que nous gagnons pour yeux, nous gagnons pour oreilles et puis nous gagnons pour poche tout. Tandis ça. Direction générale télévision, cap dirigé par monsieur Gamal Jules Augustin, lancé on l'autre jouette qui relait concours base pam branché. Ou apprenez filmé bazou et puis ou voyel dans 39 00 10 10 39 00 10 10 et puis ou a bon prime de 100 000 goud. Fout monsieur. Comment bon monsieur. 100 000 goud. On est filmé bazou. On est concours relais. Concours base pam branché. Filmé bazou. Et puis vous voyez le numéro ça. Et puis nous allons gagner deuxième mi-temps qui démarrait. Et si vous donner rapidement, on va nous statistiques première période là. À la mi-temps de match ça, l'équipe portugaise là, il y a un avantage là, il y a un goal à zéro. Entre temps, Jérôme Pierre, Cristiano Ronaldo, il y a un ballon, il y a une possibilité pour l'équipe portugaise là, Libral joue en retrait sur Andrés et Adrien Silva, plutôt Bernardo Silva, mais Cristiano Ronaldo. Nous t'as fait, téléspectateurs, auditeurs, ils ont idée de statistiques à la mi-temps. Portugal, t'as gagné un ballon, et alors Maroc, t'as gagné un ballon à 52% et contre 48% pour Portugais. Deux tirs cadrés de chaque côté, et arrêt de gardien pour Portugal, t'as fait deux, puis équipe marocain goalkeeper Ali Dembélé fait un arrêt, trois corners de chaque côté, des gagnants une fois un joueur marocain était en jeu dans match ça, 8 fautes côté portugais, 11 côté équipe joueur marocain et puis carton jaune, un seul carton jaune jusqu'à présent, c'est Mehdi Benassia qui est coupé de carton jaune, non, pas gain carton rouge, c'est quand même idée de statistique à la mi-temps, Portugal 1 équipe marocaine 0. Ballon pour Portugal, principe de l'avantage, arbitre américain dit jouer, n'a parlé de McGregor. Ballon pour le citizen Bernardo Silva en retrait. Il a recommencé net. Ballon pour l'équipe du Portugal. Pepe fait passe là. On déviation de la tête. On l'autre déviation. Contrôle de la tête. Dégagement final. Gonzalo Guedes. Pourtant, monsieur était très bon dans le match de préparation. Ah oui, et même tout dans le match contre l'équipe espagnole là, Gonzalo Guedes, il était fait sentir l'île, il était très intentionnel dans le match ça, mais je dis à Gonzalo Guedes qui est très pâle, il voulait faire sentir présence l'île dans le début, deuxième période. Là, nous allons suivre pour nous voir qui ça, il pourrait le capable porter pour la sélection en portugaise de football, Gonzalo Guedes, qui était passeur décisif sur une goal que Cristiano a été marqué, alors sur deuxième goal que Cristiano a été marqué dans le match contre l'Espagne. Corner monté en deux temps, on centre pied gauche, coûté de Pépé. C'était José Fonte. José Fonte. Gonzalo, Gonzalo Guedes, monsieur, qui mettait sous banc un certain Ricardo Quaresma, qui sont habitués dans la sélection portugaise. Il va mettre le sous banc, non? Il va mettre le sous banc. Ricardo Quaresma était toujours sous banc. C'était toujours un réserviste de luxe. Nous te vois ça dans le championnat. À l'absence de Nani, un peu le monde dit à attendre une titularisation de Ricardo Quaresma. Mais il était toujours sous banc. Et qui lui-même était jusqu'à présent. C'est le joker de luxe. Et oui, c'est l'air avec Steven, chaque fois le monté dans EOA, il sentit présence. Mais il était toujours son réserviste de luxe. Attention, le contrôle de la poitrine, bien joué. Défenseur la capteur. Yo coupé ballon dans Pieli. Attention, et ballon pour Portugal. Yo joué une touche là. Touche pour équipe portugaise là. Non, c'est pour le Maroc. Ballon en terrain. Maroc a cherché égalisation. Est-ce que l'a joué ni dans deuxième mi-temps? Est-ce que tout? Eh bien, Portugal, papa, et marque un deuxième goal. Achraf Hakimi. Et finalement, ballon sorti en tout. Achraf Hakimi, jeune joueur marocain formé à Auxerre de l'équipe du Real. Il est âgé de 19 ans. Fernando Santos, attention, ballon dégagé. William Cavallo dégagé. Canli, coup de tête dans le milieu de terrain de Mehdi Benassia. Ballon joué de la tête. Bonne réception. Ballon pour Maroc.
Ouakwa pas pour longtemps. Dégagement dans la défense portugaise. Là. Le contrôle de la poitrine de Manuel da Costa. Manuel da Costa joue en profondeur. Mais c'est pas Jot Moussa, non? C'est pas Jot Moussa, non, Maroc. Poser ballon et fait je passe Coutio. Doublement de passe. Redouble de passe. Donc passe dans le dos de la défense. C'est comme ça pour nous jouer. Joe Mario quitte le pour Rafael Guerrero. William Cavallo. Les joignent en retrait. Pepe. Pepe en retrait pour Rui Patricio. Les écartent dans la zone Cédric Soares. Là. Cédric Soares. Bousculé par Hakim Ziyech. Et donc c'est un coup franc au profit de l'équipe de la formation portugaise. Entre temps, c'est l'équipe Portugal qui gagne ballon. Pepe Soafé, match à un goal à zéro. Attention, on passe longue. Ballon pour le traverser à gauche net. La réception de Bernardo Silva. Les joueurs de pour mettre à jouer. Attention, la panne de Cristiano Ronaldo, la star de la formation portugaise. La passe en profondeur. Intervention au sein de la défense portugaise. Son ballon calme. Rui Patricio, li quitte le pour José Fonte qui ballon, li balle en dessous Pepe soit fait, li font place du pied droit, la déviation de Joao Moutinho, Cédric Soares, Cristiano Ronaldo, yo mettez la tête, orbite centrale dit que coup franc donc pour Portugal, rapidement coup franc fait, attention, ballon danger, Gonzalo Guedes fait passe là, attention, Joao, li fait contre la Joao Mario, en retrait, pardon, misère, monsieur, boum! Cristiano pas fait nous ça. Cristiano Ronaldo mal prend ballon. Hein? Mais s'il était bien pour ballon ça pour. Il était tué au monde. Bon là, Cristiano Ronaldo était libre de tout marquage. Il est à l'aise dans la surface de séparation. Oui. Il a raté totalement Tilia. Et Cristiano Ronaldo était une possibilité tout pour doubler mise dans là pour l'équipe portugaise. Là. Après, il a raté à deux Gonçalo Guedes. Eh bien, Cristiano Ronaldo qui t'apparaît. Lui était frappé la première intention, mais ballon qui passait largement à côté. Ballon dévié de la tête. Ballon pour Portugal. On tacle. Arbitre américain campé jouette là. McGeiger, il y avait faute du numéro 8 marocain Karim El Amadi. Coup franc donc pour le Portugal. La passe à gauche, Rafael Guerrero. Il joue dans le même couloir pour Gonçalo Guedes. William Cavallo. Passe là pas bon. Passe raté par William Cavallo. Le milieu de terrain défensif du Portugal. C'est une remise en jeu pour le Maroc. Cristiano Ronaldo qui a parlé avec Patonelio Labdio comment pour placer lui à la fois joueur et lui à la fois tout entraîneur souterrain. Ballon donc ou capable comprendre Pabli et ce capitaine que lié Jérôme donc joueur football ça Cristiano Ronaldo c'est un véritable leader en déformation ça Cristiano Ronaldo ballon pour Pepe qui plaît la verraine Pepe l'aller sous Cédric Soares qui joue dans William Cavallo ballon donc pour Bernardo Silva, ballon contré, ballon pour. Ballon toujours, Abisakaladim n'a choué tout, Abisakaladim n'a boule, attention, match la chaud, boule la chaud, ballon pour Nordinam Rabat, le centre, danger pour Portugal, coup de tête défensif, ballon pour Bernardo Silva, fond dégagement, ballon monté droite que combalène, la réception manquée, remise de la tête, ballon pour Achraf Hakimi, qui jouait en dedans, Maroc va pas attaquer, ballon donc pour Ziyech qui joue dans l'axe là, ouvre la droite. Oui, Nordinam Rabat. Il va chercher centré. Il n'est pas capable de jouer l'espace là. Il fait légèrement en retrait. Mais c'est cette Kounia. Il n'est pas capable. La petite accélération. Centre pied poule. Ballon dégagé. Il sortit en touche. Touche donc pour l'équipe du Maroc. Nabil Dirar. Pour être capable de faire touche là. Il a besoin de démarquer. Il a besoin de mieux démarquer. Plus capable de faire lui, Maroc 0, Portugal 1, sous à peine rejoindre nous, c'est Cristiano Ronaldo qui marquait green goal match là depuis à la 4e minute de jeu. McGeiger campé match là, il estimait que gagne faute à l'écran.
écran, Younes Belanda. Younes Belanda qui t'a subi faute là. Younes Belanda, et donc le numéro 10 du Maroc. Monsieur qui a 28 ans, il est né le 25 février 1990. Ballon pour et Pépé gain ballon. Ils font passe longue dans la zone Sanabjouène. Gonzalo Guedes. Gonzalo Guedes. Gonzalo Guedes. Le joueur du FC Valence qui perd le ballon. Monsieur, pas bon match, monsieur. Yo met by El Cado Kouaïs m'a fait un petit coup. Yo met by Kouaïs m'a fait un petit coup. Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi. Il fait fête là. John Moutin, ballon pour Emmanuel Da Costa. Ashraf Hakimi passe la contrée. Il fait déviation de la tête là. Ballon donc. Tête du dribble. 2 contre 1. Yo sorti quand même. T'es une faute. Abisata l'a dit coup franc. Yo fait coup franc rapide. Trop de précipitation à mon avis. Pepe fait couverture là. Il fait en retrait pour Rue Patricio. Rue Patricio. La longue balle de Rue Patricio. Coup de tête défensif. Deuxième balle. Attention, bonne déviation. À la droite. Sous notre Dinam Rabat. Notre Dinam Rabat. Oui, et c'est Pio là, papa. Et c'est Pio. Mais... Younes Belanda. Rue Patricio, capté ballon. Comme d'adou son pain au Bali. C'est con que pain. Voilà. Bah, et puis bloc les bon placement pour le goalkeeper portugais oui Patricio qui était s'il avait ballon était manqué hauteur tout pour et donc il était capable faire lob là et s'il n'avait pas comparé avec goal Dries Mertens là et oui mais s'il avait c'était en demi volée pour Mertens et oui Patricio qui a à peine si hein et dans équipe Wolverhampton Wanderers là qui lui-même a les mêmes rejoint Elite Football et anglais après que il était donc en deuxième division Wolverhampton qui montait et qui signe pour 4 ans, oui, Patricio libre de tout contrat avec Sporting Portugal, qui est club formateur. Alors, bonjour, et marocain, tout cas, je ne vole Wolverhampton. Monsieur le Ganem Saïs. Oui. Ganem Saïs, monsieur fait en France d'un père franco-marocain et d'une mère française. Donc, maman, monsieur sont françaises et puis maman et papa, monsieur, c'est un franco-marocain. Ganem Saïs, qui passe sous terrain, c'est un réserviste, l'a joué dans Wolverhampton, tout comme Rue Patricio, qui a peine signé Jean et Steven Dieudonné, mentionné là dans Wolverhampton. Coutez! Oh là là! Oh là là! Encore lui, Younes Belanda, et toujours lui, oui Patricio. Quel arrêt! Toujours présent, oui Patricio. Voilà mes coups de tête là. Tête en déviation. Ballon difficile, monsieur. Et la parade in extremis. Parade spectaculaire. Ballon batate. Oui. Donc le coup de tête là fait. Ballon batate comme ça. Grâce à Antoine, il est difficile. Faut goal qui perd sous main. Ça rappelle Olivier Kahn, monsieur. Et Maroc, ça besoin l'autre match. Attention. Ballon repoussé. Nordinam Rabat. Déviation de la tête. Maroc a pesé sous accélérateur là. Il y a faute. Faute sur Mbak Boussafa. Ça, c'est bon bagage qui a fini là. Moi, grâce à Antoine, a pleuvé même. D'habitude, l'icône. Il compte dire nous qu'on va à Cabinine Joanne. Parlez, Steven. Attention, l'équipe marocaine a levé niveau. Oui, le Maroc a levé niveau. Il a persisté, il voulait égaliser. Même et si que. Attention, grâce à son gestion Abdi, seule grande victoire, alors seule grande défaite Portugal face à un pays africain, c'était contre le Maroc, le Maroc. En 1986. Attention, coup franc pour le Maroc, soulevé, coup de tête défensif, ballon monté droite en défense là, on l'autre coup de tête, la déviation de Nordinam Rabat, ballon pour Hakim Ziyech perdu, Portugal a sorti Cristiano Ronaldo, les joueurs Gonzalo Guedes, mais oui Gonzalo Guedes, c'est là où tape météo, attention Nordinam Rabat, il fait passe là, et pour Hakim Ziyech, passe en retrait, dégagement de Mehdi Benassia, coup de tête dans la défense portugaise là, William Carvalho fait remise trois coups, Pepe mettez toute salle qu'on est dans le ballon pour le dégager lui et à présent ce ballon calé en touche Maroc Dimap joue l'autre bagaille Younes Belanda lui joue Nabil Dirar et Younes Belanda côté lui lui choisit jouer dans le couloir pas de trop espace ballon allé en touche pour le Maroc non pas l'avancer là vers la 60e minute de jeu, donc 15 minutes qui est écoulé, il y a un changement. Gelson Martins.
Gelson Martins pral rentrer dans match là pour Portugal et c'est João Marut, non c'est Bernardo Silva. Bernardo Silva qui se déplace li à Gelson Martins et Fernando Santos oui équipe portugaise là besoin faire de lance équipe portugaise là besoin moun qui pour empêcher défenseur marocain yo monter comme ça donc li met ton joueur qui gon bel point de vitesse qui sont provocateurs qui sont joueurs de couloir tout qui pral et peu ce soit accélérateur là qui capable accompagner Cristiano Ronaldo devant Cristiano Ronaldo pas tellement joué de bon ballon Gonzalo Guedes même pas c'est Gonzalo Guedes que monsieur t'a fait sortir pour te remplacer lui par Ricardo Quaresma Gonzalo Guedes participe en pile au sol non récupération ballon gagné João Moutinho qui était à terre il est touché sous action en tout à l'heure là et Gelson Martins qui formé dans l'équipe Portugal là dans l'équipe Sporting Portugal là c'est là qu'il a évolué lui même il vient remplacer Bernardo Silva qui en pile fois Jérôme Moussanti qui mettait jota en retard à chaque fois le ballon les plus gata se retourner dans quand il avec les Kimbe li et permettre l'équipe monsieur marocain yo même retourner et Lyon de l'Atlas yo même si ça a besoin lorsque jeune ou 2 3 est arrivé sous et fait son très un pour Portugal, zéro pour le Maroc. Ballon oui, Patricio. Attaque de l'équipe marocaine. De l'équipe qui récupère. Moi, je pense que Patrice méritait un meilleur contrat que Wolverhampton. Allons pour le Maroc avec Hakimi au marquage de Gelson Martins. C'est gagné faute du joueur marocain Achraf Hakimi, joueur du Real Madrid d'habitude qui compte évoluer comme arrière latéral droit. C'est pas de l'équipe. Hakimi. Ok, surtout la évolué arrière latéral gauche le coup avec João Moutinho. João Moutinho est-ce que le Galde en deuxième passe décisive ça João Moutinho oui le frein de la sélection du Portugal le ballon soulevé mais ballon retourné de la main il y a faute oui il y a jugement la faute sur le portier de l'équipe du Maroc El Kaj américain. On revoit le ballon dans la surface de réparation. Faute commise par William Kalou. Le Maroc attaque la récupération avec la défense de l'équipe du Portugal. Juste Fonte, mais sorti toujours la profit de l'équipe marocaine. L'équipe marocaine en difficulté, auditeur et téléspectateur. Le Maroc attaque partir de leur propre territoire. La passe pour Achraf Hakimi. Achraf Hakimi pour signer une longue balle sur le côté droit. Il va sauter Amrabat. Amrabat très bien. Amrabat se dépasse. Il s'élève. Amrabat. L'équipe marocaine attaque dans la 16 mètres. La en retrait, en direction de Soupa, ballon pour Ziyech, Kim Ziyech, le ballon au profit du Portugal, avec maintenant Gelson Martins, Gelson, le nouveau venu, la passe en avant, oui, dribble réussi, mais la faute non signalée par l'arbitre américain, le ballon au profit de l'équipe du Maroc, l'équipe marocaine à l'attaque, à partir du côté gauche, la passe en retrait de Achraf Hakimi, mais le ballon qui sort en touche, touche au profit de l'équipe marocaine, on revoit cette faute commise, alors pas de gain, véritablement pas de gain contact. Gelson Martins déjà chuté et bien avant même que milieu de terrain et marocain est arrivé sur lui.
Effectivement, la touche côté marocain, ballon qui sortit en touche à nouveau, rentrée de touche au profit de l'équipe marocaine avec Mbaka Moussoufa, l'équitel pour Ziyech, Ziyech pour l'équitel pour Achraf Hakimi, non, l'Ifel pour Achraf Hakimi, Achraf Hakimi, possibilité de centre, ballon à retrait, la passe à l'entrée de 16 mètres, ballon à droite, l'équipe du Maroc à la recherche de l'égalisation, le Maroc cap contrôlé dans le territoire équipe portugaise là. Un ballon à droite, le centre, on attend le centre. Attention, deux joueurs du Portugal au marquage. Ballon contre le centre. Attention, attention. Non, ballon repoussé. Le rebond est favorable à l'équipe du Maroc avec Hakimi. Ballon capté par le portier. Oui, Patricio, le dernier rempart de l'équipe du Portugal. On revoit. Il y avait jeu de main. Pensez que arbitre central là, alors vidéo à lui-même était capable de trancher, mais c'est pas le cas. Le dégagement avec le portier de l'équipe portugaise, oui Patricio, le nouveau portier de Wolverhampton, club de première division, fraîchement promu en D1, première division anglaise. Ballon joué de la tête par un joueur marocain, le ballon sur la droite au marquage. Cédric au marquage, Raphaël Guerrero, le ballon au profit de l'équipe du Maroc. Il y avait faute, estime l'arbitre central américain. Le coup franc au profit de l'équipe du Maroc. Le Maroc en difficulté face à l'équipe du Portugal, le Maroc communément appelé les Lions de l'Atlas. La faute sur Amrabat, l'attaquant de cette équipe du Maroc. C'est un coup franc déjà exécuté. Le ballon sur la gauche. Le ballon sur la gauche avec une longue passe en direction de Achraf Hakimi. Mais ballon sorti en touche. La rentrée de touche au profit de l'équipe du Portugal. Le Portugal jusque là qui a fait un bon tournoi, qui a fait un bon Coupe du Monde, des fanatiques qui ont créé animation. On dit olé olé, nous sommes là. Alors, grâce à Antoine qui permet de nous saluer tout pays en net, que nous soyons côtoyés dans le pays d'Haïti, dans toutes villes provinciaux et dans Antilles, diaspora, mon New York, mon Miami qui fait nous signe là et m'envahit net avec message au niveau zone Antilles, Guadeloupe, Martinique, la Guyane française, Token Caïcos, Saint-Martin, ils sont nombreux, madame, monsieur, à nous regarder. Quelques voilà. Soucis techniques. Et quelques soucis techniques, madame, monsieur. Alors, gagné plusieurs bases d'eau, gagné Sandy Père, Frédéric, Melina, Samis, Roulen, depuis Grande Colline, et qui fait nous c'est que gon base qui branche là. Monsieur, mettez gros écran, et puis absolument match sur télévision dans d'Haïti. Monsieur, attendez qu'il nous ait les bases, ou les bases là, c'est Jérôme qui baille plaisir. Ballon pour le Maroc. La passe pour Amrabat. Amrabat, la passe en avant. Oui, Maroc cap chercher égalisation. Là, si on gagne un bon tireur de coup franc, pourquoi pas pour yon pas ta marquer dans le match là. Le Maroc qui insiste. Maroc qui t'est dominé Iran. Mais au final, yon t'est marqué contre quand yon l'Iran t'est gagné. Aziz Boua 12. Dans les ultimes secondes qui t'est marqué contre Kanli. La faute de Raphaël Guerrero, arrière latéral gauche de l'équipe du Portugal. Le Portugal champion d'Europe, nous songez ça. Portugal qui t'est battu la France en finale, 1-0. Portugal qui t'est remporté seul titre que le gagne dans l'histoire. Coupe d'Europe des Nations avec une génération. Depuis l'on chez moi, buteur final, ça non aider. C'est seul trophée majeur, oui. Litou. C'est seul trophée majeur sélection portugaise là tout. Oui, effectivement, il y a un très bon coup franc au profit de l'équipe marocaine. Mais c'est au-dessus. La présidence ONA A-Truck, la DGI, Institution Chrétienne d'Haïti, Batterie, Megavolt, EDH, BNC, Euro, CERAM, Honda et puis gagné AIC. Voilà. Top Tires, c'est sponsor pour Coupe du Monde. Nous avons pour yeux, nous avons pour poche.
21e édition Coupe du Monde qui a organisé dans le pays là aussi. C'est 18e match là qui a joué là. N'a pas rappelé que quand trois goals qui a marqué et équipe là aussi a lit déjà lui-même validé BLI pour les huitièmes de finale après victoire li contre la sélection en la sélection égyptienne de football emmenée par Mohamed Salah et 3-1. Une équipe russe qui lui-même était dominé match là. S'il est vrai match ça qui était en pile polémique avec quelques décisions arbitrales qui fait en pile parler mais quand même équipe russe là qui a bien remporté jusqu'à présent. Là aussi dit le pas capable de manger les mêmes boules pas manger avant papa. Hein? Ou pas faire manger ou pas inviter monde venir manger puis manger fini ou pas manger. Là aussi dit manger avant papa. Un deuxième changement dans le match, le 209 de l'équipe du Maroc. Changement côté marocain. Ayoub El Kaabi. Oui, cap rentré. Ayoub El Kaabi. C'est Khalid Boutaïb. Khalid Boutaïb, c'est meilleur buteur marocain dans l'éliminatoire Coupe du Monde là, dans la zone Afrique là. C'est meilleur buteur pour Maroc, mais qui pas de commencer pour le match là contre l'Iran et qui démarre jeudi là, mais qui était muet. Il y a un deuxième changement côté Portugal. Deuxième changement en côté portugais, c'est Fernando Santos lui-même après qu'il ait fait entrer Gelson Martins là. Il a fait entrer Bruno Fernandes à la place de João Mario. João Mario, joueur West Ham United dans le pays l'Angleterre, prêté par l'Inter de Milan. C'est ça, c'est une rentrée de touche en faveur de l'équipe portugaise. Ballon perdu, récupération avec l'équipe marocaine. La longue passe en avant, mais c'est défense qui a récupéré avec José Fonte. En retrait pour oui, Patricio. Patricio loin en avant, coup de tête du joueur de l'équipe du Maroc. Coup de tête à nouveau, le Maroc à la récupération. La passe en retrait en direction de Mehdi Benassia. La longue balle, coup de tête de Rafael Guerreiro. Le rebond au profit de l'équipe portugaise. Ballon de la défense, le Portugal en possession de la balle. Le Portugal cap sorti, la passe pour Gelson Martins. Ballon perdu, récupération avec l'équipe marocaine. Dégagement de la défense du Portugal. De Rafael Guerreiro. Ballon qui sort en touche, la rentrée touche au profit de l'équipe du Portugal. 71e minute de jeu. 1 pour Portugal, 0 pour le Maroc. C'est deuxième goal encaissé par l'équipe marocaine. Ça. Chiffre 2. C'est deuxième goal Cristiano Ronaldo dans le stade Loujniki en Moscou. Effectivement. Premier Alte Makeli dans la finale de Ligue des Champions en 2008 là, contre Chelsea. Lorsque l'équipe Manchester United là, a remporté le trophée, la compétition dans un tir au but. Et Cristiano Ronaldo, c'est lui qui a marqué le goal Manchester United là, après que l'équipe Chelsea a légalisé. Et là, il a scoré face à Maroc. Effectivement, ballon pour l'équipe marocaine. Deux joueurs portugais au marquage, notamment le 208 João Moutinho. Nabil Dira pour Maroc. Et oui, la faute sur le joueur de l'équipe du Portugal, João Moutinho. Équipe portugaise là, jusque-là, qui a assuré essentiel là, face à l'équipe marocaine. Non, la passe en avant, le Portugal à l'attaque. Ballon pour Cristiano. Talonnade, non, récupération avec l'équipe du Maroc. Il n'y a pas faute, le ballon au profit de l'équipe portugaise. Le Maroc reprend, ballon en retrait pour le portier Muni El Kajoui. La longue balle en avant à la recherche de Amrabat. L'équipe du Maroc en possession de la balle, la passe en avant, mais c'est pour oui, Patricio, le portier de l'équipe du Portugal. La relance sur le côté gauche en direction de Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro qui a contrôlé, possibilité de passe. Le Portugal qui attaque. William Carvalho, balle au pied. La passe pour CR7. Cristiano Ronaldo en déviation. Le centre à terre. Le ballon dégagé. La récupération au profit de l'équipe du Portugal. Le Portugal avec William Carvalho. William Carvalho, Gelson Martins, ballon en retrait, la déviation de la surface, ballon dégagé par Manuel Da Costa, le ballon au profit de l'équipe du Maroc avec Ziyech, Hakim Ziyech, ballon en
retrait, la passe sur la droite, le Maroc en possession de la balle, le Maroc à la recherche de l'égalisation, mais c'est pas facile, c'est pas facile. Dans la défense équipe portugaise, Hakim Ziyech qui pral exécuter coup franc. Il y a une idée de reste programme journée 1 après Portugal Maroc qui c'est match groupe B, pral gen Uruguay Arabie Saoudite, match qui a joué à 11h à Rostov Arena, Rostov Arena, à Rostov sur le Don, et puis Iran Espagne à côté de 2h, et match qui a joué dans Kazan Arena à du côté de Kazan. Portugal alors Uruguay pour chercher valider Bieli par une victoire en cas d'une victoire sur équipe Iran et équipe Arabie Saoudite là, et puis pour l'Espagne le coup franc pour chercher première victoire dans la compétition. Le dégagement du portier du Portugal, oui, Patricio, l'étape cherchée, Gelson Martins, la récupération côté marocain, les Lions de l'Atlas, le Maroc en difficulté, le Maroc dans le territoire du Portugal, le Maroc en possession de la balle, la passe en retrait en direction de Mehdi Benassia, Mehdi Benassia à droite pour Nabil Diral, Nabil Diral, Mehdi Benassia, Mehdi Benassia en retrait pour le portier Munir El Kajoui, Munir El Kajoui qui pral dégager l'iman des partenaires Lio Puyo démarqué, une longue relance, la longue balle coup de tête de la défense du Portugal, l'équipe du Maroc en possession de la balle pour le moment, la passe pour Ziyech, Hakim Ziyech, ballon qui contrait, Li sorti en touche, la rentrée touche au profit de l'équipe marocaine, touche exécutée, arbitre central là, qui pour bail signal pour exécution touche là, la sortie de Younes Belanda, Younes Belanda cap quitté match là. Oui, Younes Belanda joueur et qui lui-même a quitté place de sortie. C'est Mehdi Corsella Gonzalez cap rentré, Mehdi Corsella qui fête 1er juillet 1989 âgé de 28 ans, le ballon au profit de l'équipe marocaine avec un renversement de jeu sur le côté gauche pour Amrabat, mais bonne réception de Amrabat, le ballon qui sort en touche, touche au profit de l'équipe du Maroc, l'équipe marocaine avec Amrabat rapidement qui lui-même qui était ballon sorti puisque lui bénéficiait rentrée de touche là, Achraf Hakimi rapidement, on remet à Achraf Hakimi, Achraf Hakimi la passe à l'entrée des 16 mètres, le Maroc à l'attaque, bonne déviation marocain qui gagne un ballon avec Moussoufa, ballon en retrait dans la défense pour Mehdi Benassia, Mehdi Benassia en avant, le dégagement de la défense portugaise, coup de tête dans le camp de l'équipe marocaine, le ballon loin en retrait pour Mounir El Kajoui, El Kajoui sur la gauche en direction de Manuel da Costa, Manuel da Costa, Manuel da Costa qui remonte le champ de jeu, la passe pour Achraf Hakimi, Achraf Hakimi à Amrabat, Amrabat, Amrabat qui conserve, Amrabat, Amrabat très bon joueur et c'est joueur de Leganés, joueur équipe marocaine, oui. Dans le match, ballon pour le Maroc, la passe en avant, coup de tête, ballon à l'entrée des 16 mètres, le dégagement dans la défense de l'équipe du Portugal, coup de tête raté de William Carvalho, le ballon sur la droite, l'équipe du Maroc avec Diral, Nabil Diral, ballon en retrait, possibilité de centre, la déviation, Jérôme Pierre, 0 pour le Maroc, 1 pour l'équipe du Portugal. On va chercher Gracie Antoine, toujours le score qui persiste, ouais. Et Steven Dieudonné après l'ouverture du score de Cristiano Ronaldo depuis à la 4e minute de jeu, donc Maroc a couru derrière une égalisation, il est beaucoup capable de jouer. Portugal montre qu'il est satisfait du score ça jusqu'à présent, équipe portugaise là qui lui-même quitté l'initiative jouette là avec formation marocaine là, il a seulement essayé d'opérer par des comptes et Maroc qui continue à faire passer ballon dans tout compartiment terrain tant que j'ai commencé depuis coup d'envoi match de Bolza, mais ça n'a pas porté trop de danger mis à part de deux occasions avec Younes Belanda qui tout à l'heure se quittait et champ de jeu a remplacé et par Mehdi, et donc au senti que l'équipe marocaine n'a pas mis trop de danger mis à part de ça dans quand équipe portugaise là, nous suivre pour nous et nous arrêter environ 12 minutes avant en fin temps réglementaire là, sans nous pas négliger et temps additionnel ou encore minute additionnelle. Sous coup français, nous voici pour nous qui ça à Lyon de l'Atlas sur même il va. Le Maroc qui gagne un déficit de deux bons joueurs là, un bon meneur et un buteur.
Amrabat et Hakim Ziyech, on meneur suffit. On meneur, nous ouais que au passé, je te dis, au passé ballon dans tout côté en net, mais il pas suffit seulement passer ballon, c'est pas taxa, ça passe à côté. À côté. Il pas suffit seulement pour faire passer ballon. Faut que tout le monde qui a mis pied sous ballon hein, et ouais vite, ouais clair pour capable adresser au passe et passe ça capable joindre un joueur qui buteur pour marquer. Ça que Maroc pas gagné, il pas gagné un bon meneur qui pour le monde qui pour lui jouer là, qui pourrait à la manière de Iniesta, qui pourrait à la manière de Xavi Hernandez, qui pourrait à la manière de Andrea Pirlo, qui pourrait à la manière de un joueur et Kankou et Zidane à l'époque parlant, et c'est des joueurs consacrés, Ronaldinho, des joueurs qui pour lui jouer là et pour un bon attaquant qui est capable de marquer. Donc c'est vrai que le Maroc a dominé, mais c'est une domination révélée stérile puisque il n'y a pas jamais capable de jouer ça qu'il a cherché à savoir marquer un green goal. Il prend 1-0 dans le Iran et en toute fin de match et après un autogol. Et bien je dis là Cristiano Ronaldo marqué très tôt depuis à la 4e minute de jeu et là il n'y a pas capable de jouer égalisation. Ballon en discussion dans ce séparation, finalement c'est Portugal qui a sorti, passe la mal travaillé, ballon pour le Maroc, attention, perdu trop tard, ballon Mounio, attention, passe la fête, est-ce que gagné en genou, Orbi Central a dit jouer boule, le centre du Nord Dinam Rabat, ballon pour le Maroc, qui a persisté là, attention, le centre, coup de tête défensif, ballon contrôlé de la poitrine, la passe, le contrôle, 1-2, Nord Dinam Rabat, hauteur de très bon match, attention, le nouveau venu, Mehdi Karsela, il a tenté de centrer, mais son centre a été contré, et c'est un corner pour le Maroc, qui insiste, Maroc, Portugal, oui, qui a persisté aujourd'hui, là, grâce à Antoine, mais il va falloir que Marocaino concrétise domination, ça, il a dominé, mais il n'a pas vraiment menacé équipe portugaise là. Attention, coup de tête, non, c'est pas vrai. Ballon pour le Maroc qui établit quatre général yo dans équipe portugaise là. Mais tentative ça de Nabil Dirar et cap évolue dans le couloir droit, il pas couvrir ballon, s'il te goal, il t'a semblé avec goal Nacho Fernandez là, on ballon rabat comme ça en demi-volée, mais t'es un jeu de mai là, t'es un jeu de c'est lié vide central en power et yo pas aller dans assistance vidéo en tout arbitre central dit quitter le marché, ballon pour Cédric Soares lui jouer en profondeur, ballon sorti en touche pour le Maroc. Nabjola 82e minute de jeu, ballon pour Maroc, la passe de Mehdi Karsela, ballon sorti en touche, Portugal bénéficie touche là, Fernand Dos Santos, Portugal a souffri. Portugal là est d'accord que pour Maroc, eh bien dominé. Il est d'accord que pour Maroc, Kembe ballon. Il est d'accord que pour souffrir dans le match là. Ballon pour Cédric Soares, Gelson Martins. Il y a faute. Non, l'arbitre central n'a rien dit. Cédric Soares, gagné Achraf Hakimi qui a marqué. Gelson Martins, ballon dans axe défense équipe marocaine. Frappe écrasée du nouveau venu portugais Bruno Fernandes relance après le fait par le portier marocain. C'est la reprise de l'action, vous êtes sur la télévision nationale d'Haïti, nous saluons tout collaborateur nous indistinctement dans la radio et dans la télévision. Nous saluons tout d'abord Cassandra Destiné, plus connue sous le nom de Cassidy Gilles Fiefé, donc qui brèchait là, entre autres touché par le fait par le Nabil Dirar, ballon repoussé, Nabil Dirar qui ballon, Nabil Dirar lui jouer en dedans et pour Ayoub El Kabi, ballon Achraf Hakimi, lui jouer en profondeur, ballon facile pour Repatricio qui relance de la main.
ballon dévié, ballon pour Rafael Guerrero. Rafael Guerrero, li quitte là, la passe pour Guerrero encore, li soulevé ballon, hein, coup tête l'en fait. Arbitre central l'a dit quitte le marché, en allant, appel de balle qui s'annonce, exactement de ballon, inférieur, exactement de ballon, hein. Attention, ballon donc, et qui s'est passé exactement pour Franck. Mes amis, Jérôme Pierre, vous pensez que si habite la tranche comme ça pour le bail coup franc pour Portugal, pour qui ça tout à l'heure à sur dernier main, pas de gagnant et penalty pour l'équipe marocaine. Non, une équipe assez courageuse, vous pensez qu'il méritait au moins un goal dans le match là, mais c'est dommage. Arbitre central n'a pas trouvé dernière action et puis là, c'est coup franc en faveur de l'équipe du Portugal avec Cristiano Ronaldo qui est capable tout de même. Maroc oui, mérite un goal. Oui. Maroc mérite un goal. S'il est vrai que ce soit une faute, mais on fait mention de faute de main que tout à l'heure, Arbitre central n'a pas joué. Et bon, ça arrive. Et il y a un débat qui est beaucoup plus grave que ce qu'on voit en Arbitre central pas joué. Cristiano Ronaldo, ça sont six fois pénalité, monsieur. Ça rappelle Maradona, monsieur, dans zone ça. Ça rappelle Maradona, dans Napoli, monsieur, dans zone ça. Et Cristiano Ronaldo, non, dans le mur, là, l'Iferi blanc, pas bon, que ça pas vite faire basse là, mais que ça nous. Oh, un ballon tout le monde. Jouer chez plat, ballon donc, et donc c'est pral, yon ballon, et gen faute qu'on y a, Arbitre central, Cristiano Ronaldo, qui pas réussi, je dis à monsieur, dans le coup franc. Oui, puisque nous sommes Juninho, Pernan Boucagno sous position ça, n'importe quelle position, Juninho est capable de faire goal là. Pas Juninho compte beaucoup plus loin. Li fait majorité dans toute position mais majorité ça le fait yo compte beaucoup plus loin, yo compte dans zone 22 23 mètres. Bon, c'est vrai joueur ça lui même les plus admiré, le plus à l'aise dans lorsque Koufran lui même les plus éloigné de cage là. Mais tant que Jacques Gassien quand d'abord là Juninho Pernan Boucagno, c'est un joueur, c'est un bon tireur de Koufran, excellent, c'est parmi meilleur dans exercice ça. Et Sinavli et son genou en Sinisa Mihailovic, oui, avec son genou Michel Platini, et donc Sindavli, donc lui quelques joueurs qui ont même le troisième changement marocain. On fait sortir le numéro 8, Karim El Amadi, il est remplacé par Fajer, qui jouait dernier 4 lila. Fajer, c'est Fajer qui rentrait, il est capable de sortir même avec un match Faisal Fajer qui a évolué en Espagne. Oui, monsieur Abono est la 25e sélection. Maroc 0, Portugal 1. Cristiano Ronaldo, auteur du seul but. De l'unique but de cette de la rencontre. Attention, ballon pour le Maroc. Gardon fait que le fait. Bien joué. Yogon bon coup à jouer là. Yogon bon coup à jouer. Non pour ce ballon, toi pour lui. Attention, ballon pour le nouveau venu. Ballon donc pour Achraf Hakimi. Qui pourrait le faire passer la route parce que le pack n'a pas passé. C'était pas Achraf Hakimi. C'était de préférence Mehdi Cancela. Cristiano Ronaldo, l'unique buteur de la partie. Achraf Hakimi fait touche là. Est-ce que c'est faute? Non. Gelson Martins mal dégagé ballon. Hein. Attaque du Maroc. Attention. Yo-Yves Souville. Nordine Arabat. Arabat joué en retrait. Attention. Le centre. Coup tête défensif. Ballon pour Maroc. Dégagement fait. Yo-Yves Rebond. Hein. Yo pas conservé. William Cavallo. La passe pour Gelson Martins. 2-1. Il veut conserver quand même. William Cavallo, double conservation, la passe en retrait, et il y a une faute sur William Cavallo, homme central américain, McGuiger arrête le jeu pour octroyer un coup franc au profit de l'équipe du Portugal. Cap mené par un goal à zéro, Joao Moutinho est un peu fatigué, sous capable de lire ça sous visage. Adrien Silva qui a préparé pour lui rentrer dans le match là pour l'équipe du Portugal, le troisième et dernier changement dans le camp des Portugais, Jérôme Pierre. Justement, ballon pour le Maroc. Attention, Manuel Da Costa, il fait passer là. Achraf Hakimi. Hakimi perd du ballon Mounio. Attention, ballon. Il y a faute sur Joao Moutinho.
Faute sur Joao Marotinho. La 87e minute de jeu. Il nous reste 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire, madame, messieurs. Le Portugal de Cristiano Ronaldo mène par 1-0. C'est bien sûr. Il est capable de tout changer, Joao Marotinho. Oui. Mm-hmm. C'est Adrien Silva. Il paraît fatigué. Gagné André Silva, gagné oui, Adrien. André Silva qui a évolué dans Milan AC oui. Et Adrien Silva lui-même qui est joué à Leicester City et dans le pays de l'Angleterre. Adrien Silva, c'est lui-même qui va faire apparition sur le rectangle de jeu. C'est le premier match Adrien Silva, il n'est pas monté dans le premier match là contre l'Espagne. Oui. C'est André Silva qui était monté dans le premier match contre l'Espagne. Oui, André Silva qui était joué, mais là, André Silva qui a un peu le monde attend, alors qu'il était annoncé, même dans l'équipe probable, l'équipe portugaise là, dans 11 probables là, mais qui pas, qui finalement pas joué match ça. C'est ça, ballon donc pour le Portugal, passe contrée, Maroc gagne, Maroc joué en deux terrains, déviation de Carcela, ballon en deux terrains, attention la passe de Mbaka Boussafa, ballon joué Nabil Dira joué dans le couloir, passe contrée, touche pour le Maroc, 88e minute de jeu, Maroc 0, Portugal 1, c'est la présidence ONA et la PNC, Honda, batterie méga. Volt et Track, institution chrétienne d'Haïti, la DGI, la BNC, Euro, Ceram, Top Tires et AIC. Voilà tout ce qu'on a avec nous pour Coupe du Monde. Oui, si 2018 là, qui place toujours. Bateau a gain place, camionnette a gain place, télévision a gain place. Entre temps, ballon pour Nabil Dira. Il fait là en retrait et à peine de balle faite à gauche. Non, le préféré qui dans axe, déviation, attention, ballon, danger pour Portugal. Non, frappe là de Karim Ziyech, les contrées. Ils ont une belle phase de jeu. Justement. Contrôle, il reste solitaire, il est entré, investi sur la séparation, il frappe, mais José Fonte. L'été là, bon dernier monde. Bien, Portugal n'a pas jamais perdu un match Coupe du Monde côté qu'il était mené à la mi-temps. 10 minutes de temps additionnel. Je ne sais pas pile dans Coupe du Monde là. Attention qu'on a soulevé. Faute de main. Jeu de main du joueur. Mehdi Carcela. Marocain. Oui, parce qu'il paraît. Mehdi Benassia, on connaît ce qu'on s'est dit. Si on bagarre, qui est bagarre là. Oui, Mehdi Benassia. Il a préclamé un geste anti-jeu de un joueur portugais. Nous prenons pour nous. C'est à José Fonte. Oui, alors Mehdi Benassia qui. Nous est là. Qui tape bah, un tap là. À, c'est comme si son pépé. Camion frappe Pépé. Oui, qui plaît la virange de Lima. Ça, son bout de fêlier. Oui, nous tape dit Portugal pas jamais perdu un match Coupe du Monde côté que l'Imené à la mi-temps. Et à 9 victoires, 2 nuls pour Portugal en 11 matchs. Alors que pour l'équipe marocaine, ils n'ont pas jamais remonté au score côté qu'ils ont été menés sous à la mi-temps. C'est 4 défaites, un match nul. Et contre elle, contre de Portugal. Attention, ballon donc. Nous avons 5 minutes de temps additionnel dans nous là pour le joindre. Ça cap tomber pour Portugal ou bien ça cap tomber pour le Maroc. Nabil Dira, latéral droit marocain, pour être capable de faire touche là. Il fait déviation sous lui. Nabil Dira, il y a deux monde qui fait écran devant. Il fait passer quand même dans le couloir, dans un trou souris. Pas de trop espace. Attention, anticipation de William Cavallo. Ballon dégagé. Le contrôle de la cuisse, Fujolanda, Jouemdan, et faute sous Nordine Abrabat, tête ni chaud, carton jaune. Ah, mais c'est qu'elle a dit pas fait tête chaud. Carton jaune pour Adrien Silva, à peine entré en jeu, qui vient découper de ce carton jaune. Ballon pour le Maroc, et Adrien Silva, qu'on t'a mentionné ça déjà, qui prend carton jaune. On joue les minutes d'arrêt de jeu. Portugal 1, Maroc 0. Gol qui marque dans le match, il marque par Cristiano Ronaldo à la 4e minute de jeu. Attention à ce coup franc. Danger. Oh là là! Mehdi Benassia, il tire en pile le match. Mehdi Benassia qui tire en pile le match. Boulachot! C'est dommage!
ça fait deuxième action jeune comme ça, monsieur. Oui. Ça fait deuxième action jeune comme ça. C'est dommage, c'est dommage. Alors, Maroc qui est capable de venir après défaite ça, c'est ce qu'on a persisté. Deuxième équipe africaine qui quitte la compétition. Hein. Deuxième équipe qui est éliminée et c'est deuxième équipe africaine d'où. Puisque jusqu'à présent, c'est l'Afrique qui a. C'est l'Afrique qui a déménagé. C'est l'Afrique qui a quitté sinon ça. Sinon que Sénégal et, qui fait une belle victoire et, sur oui, la Pologne. C'est seule équipe qui fait une victoire. Seule équipe africaine qui fait une victoire jusqu'à présent dans la Coupe du Monde. Là. Et Sénégal qui finit tout. Seule équipe africaine qui présentait un bilan positif dans sa affaire Coupe du Monde. Il n'a pas jamais perdu dans le premier tour. S'il est vrai, depuis 2002, il n'a pas jamais tourné dans la compétition jusqu'à à cette édition. Ça. Mais Sénégal, pour 4 matchs qu'il a joué dans le premier tour, il a fait 3 victoires. Il y a un match nul. J'ai une victoire qui fait cela, François. Oui. Oui, 1-0. Avec un but de Papa Bouba Diop. Oui, Papa Bouba Diop. Et c'était dans la Coupe du Monde 2002. Coupe du Monde 2002. Coupe du Monde Japon. Co-organisé par deux Japon, pays Corée. Asiatiques, Corée et Japon. Ballon pour Carcela. Medi Carcela. On tacle. Ballon aller en touche. Nous, restez quelques secondes. Ballon donc. La passe en retrait. Attention. Yo, je me dis Carcela. Le centre. Dégagement donc de Pépé. Déviation de la tête. Nabil Dira dans la zone. Nabil Dira. De quitter le plat à terre. Attention. 2-1. 2-2 à présent. Gagné. Karim Ziyech qui perd du ballon. Hakim Ziyech. Attention. Ballon. La passe de Adrien Silva. Ballon pour Jelson Martins. Passe de Adrien Silva. Dégagement de Cédric Soares. Qui pas besoin. Petit semble que papa là. Lui me semble à un moment loin. La famille en apprend. Jelson Martins, il est caté un peu à gauche. Attention, et Portugal a fait le passé avec ballon. Ça, on passe en retrait. Soit fait, il quitte en retrait pour Rafael Guerrero. Il a penché la gauche sous Jelson Martins. Jelson Martins en retrait. Bruno Fernandes. Dans le moment que Maroc besoin ballon, en tentative désespérée. Bruno Fernandes. Tentative désespérée. T'es capable de continuer avec le ballon. Fernando, son homologue, Fernando Santos. Il n'est pas content. Fernando avec Santos, champion Euro 2016 avec Portugal. C'est le seul entraîneur qui vit by le Portugal, un trophée majeur. Et c'est ça fini. C'est la fin. Oui. Victoire du Portugal grâce à cet homme, Cristiano Ronaldo. L'unique buteur de la partie. Il a marqué à la 4e minute de jeu. Une superbe reprise tête de Cristiano Ronaldo qui lui-même permet l'équipe portugaise là mener. Et pas un goal mené par. Alors, qui permet l'équipe portugaise à faire victoire ça. Un goal à 0. But marqué, but inscrit à la 4e minute de jeu. Et c'est désillusion côté marocain, côté Lyon de l'Atlas, côté et pays nord-africain. Et monsieur marocain qui au même. Tombé 0-1 face à Portugal. Maroc, alors, qui pas démérité dans le match, ça, ils ont fait un bon match, ils ont dominé l'équipe portugaise là, dans le niveau joué, dans la position ballon, dans le joué, ils ont dominé Portugal, mais dans ce score là, c'est dommage pour un pays ça, qui lui-même après 20 ans qui fait retour dans la Coupe du Monde, mais qui jusqu'à présent a très mal passé. Deux victoires, un match nul, une victoire pour le Portugal. 4 points. Portugal qui fait un très, très, très bon pas vers et qualification pour les huitièmes de finale parce que prochain match Portugal, c'est pour aller contre l'Iran. Un match nul suffit pour Portugal qualifier pour deuxième partie compétition. Effectivement, par le fait que l'Iran a battu Maroc 1-0, même s'il a perdu contre l'équipe espagnole, dans le dernier match, il est capable tout de même racheter contre l'équipe du Portugal. Il n'est que d'attendre pour ce match Portugal contre l'Iran. Entre temps, l'équipe portugaise là, qui fait un grand pas vers la qualification avec 4 points, n'a prêté tant de résultats. Je dis, si l'Iran bat l'Espagne, l'a joint bien qualificatif pour les 8e de finale. Mais si l'Espagne lui-même a fait un match nul ou du moins s'il a battu l'équipe iranienne, l'a fait un lot pas, même genre Portugal pour les 8e de finale. C'est encore un groupe qui est très serré, puisque pas gagné une ou deux équipes qui ont fait cavalier seul dans le groupe ça. Côté rejoint une équipe qui a fait 9-9, pas gagné ça. Et déjà 3 points pour l'Iran, 1 point pour l'Espagne,
4 points pour Portugal. Il ah, y a une possibilité Gassin pour l'Iran faire 9 sur 9 lui-même, puisqu'il peut jouer le deuxième match. Oui. D'accord. Iran a une possibilité pour le faire 9 sur 9. C'est une raison qui fait, me dit tout à l'heure, si Iran bat l'Espagne, mm-hmm. parce qu'il est capable de faire 9 sur 9. Il y a une équipe marocaine qui était assez courageuse, côté il était attaqué en pile, équipe portugaise là, mais malheureusement, il a buté sur un bon oui Patricio, un bon Pepe, un bon José Fonti en défense, et sans oublier au milieu du terrain avec William Carvalho, João Moutinho, et puis Benal... pas capable de tout négliger performance Rui Patricio, oui, Patricio oui. qui paraît décisif sous plusieurs occasions, et vraiment Rui Patricio... Dès le départ, on dit ça, oui, Patricio qui auteur d'un bon match face à l'équipe marocaine. S'il est vrai, Cristiano Ronaldo pour gagner tout mérite match là par le fait que c'est lui-même qui marque unique goal là, mais je pense que une satisfaction que pile monde pour gagner deux matchs, c'est oui, de Patricio. Oui. Alors si nos trois stars que mon tapton dans la Coupe du monde ça, eh bien deux là dedans déjà passé à côté lors de première sortie chaque équipe yo, à savoir Messi pour l'Argentine et Neymar pour le Brésil, eh bien Cristiano Ronaldo montrait toujours la voie à Patunelio, à équipe Portugal. Chaque fois que Portugal besoin en bagaille, c'est Cristiano Ronaldo potel contre l'Espagne. L'Espagne était menée sous yo. Alors, faut nous dit que yo mené sous l'Espagne et 1-0 et l'Espagne égalisé. Yo mené sous l'Espagne 2-1. L'Espagne égalisé 2-2. L'Espagne pral mené 3-2, et puis dans quelques minutes qui étaient, Cristiano Ronaldo pour le genou coup franc, et bien c'est ça où il est joueur intéressant, leader, joueur qui est déterminé, motivé, qui pavé et d'accord avec question défaite, qui pendant sacré l'échec, Cristiano Ronaldo pour le convertir coup franc ça, et donc nous comprenons que son joueur qui gagne vraiment une influence tête chargée dans une équipe football, c'est pas pour rien que lui c'est capitaine leader équipe ça qui sont dans le prouver que les gagnent et c'est lui même qui était pour leader équipe ça parce que décision toujours passée par Cristiano Ronaldo qui je dis encore et bien monde qui pourrait le marquer parce que une question c'était qui jouait qui monde qui a marqué premier goal match là dans qui minute et bien pense en pile monde va le gagner parce que en pile monde me pensait yo jouer sur Cristiano Ronaldo qui encore marqué aujourd'hui là même lorsqu'il pas marqué au pluriel mais grand goal ça le marqué hein c'est un remède parce que équipe marocaine qui passe ballon yo fait redoublement de passio passe dans le dos de la défense yo jeune corner yo jeune coup franc mais yo a un gros défaut équipe marocaine ça c'est que yo pas capable jouer au monde c'est non pas seulement scorer pied sous ballon parce que l'abdominé certes mais qui est capable vite capable pour servir monde qui mieux démarqué monde qui mieux placé hein, pour jouer un monde qui est capable de mettre le ballon dans le filet, ça que l'équipe marocaine n'a pas de jambes rivées jouer, yo passé le ballon, fait tout le bagage dans le jouet là, sauf et bien mettre le ballon dans le filet. Nous avons deux bons ballons, Meti Benassa jouer, li encore fait, on frappe pied gauche sous premier et deuxième, et bien yo passé largement à côté, ça montre que Maroc fait là le travail, ça montre que, et bien, Hervé Renard, li gen en pile question pour et bien gérer, en pile bagage pour gérer, question finition équipe là faudrait-il que Maroc jeune en but 1-0 pour le Portugal avec victoire ça qui était fait match contre l'Espagne vient mettre la 4 points dans coupe là si toutefois l'Espagne est capable de battre l'Iran n'a vient gagner deux équipes à 4 points c'est-à-dire eh bien match pour et première place groupe ça pour jouer dans dernière journée on dit si toutefois donc nous avons résumé match à Jérôme avec une première attaque du Portugal et le but de Cristiano Ronaldo de la tête c'était première grosse occasion match qui tout gain goal sous lui et l'inévitable Cristiano Ronaldo qui était profité pour marquer 80 il prend un risque monsieur plongé nous parlons mais cette là de joueur Moutinho et puis monsieur plongé là pendant que défenseur marocain pral tenter dégager mais monsieur prend risque là parce que son buteur dans l'âme monsieur pral marquer sur action ça. Et puis il y a une attaque du Portugal avec encore Cristiano Ronaldo, ballon tap pral passé à côté mais pas trop loin. Oui,
pas trop loin. Qui manquait bon, ballon pas passé loin que ça, quelques centimètres. Là, Cristiano te manquait, fait un doublé. Oui, dans le match ça, qui finit un goal à zéro, Cristiano Ronaldo sous action ça, t'es capable d'inscrire goal pour l'équipe portugaise. À 39e minute de jeu, il y a l'autre attaque du Portugal avec à la réception Cristiano Ronaldo qui fait passe là pour l'attaquant de là. Cette équipe Guedes. Malheureusement, Jérôme Pierre qui pat mette ballon au fond des filets. C'était une autre occasion assez nette. C'est-il le blanc pour le faire là? Il met ton dos pied qui est extérieur là-dedans. Goal qui peut l'en jouer avec bras gauche. Nous avons joué dernière seconde temps réglementaire. Première mi-temps sous action ça de l'équipe du Maroc. Pas de gain goal. Et dans deuxième mi-temps, 51e minute. Encore le Portugal à l'attaque avec ballon ça dans surface réparation. Yon passe en retrait. Et puis là, Cristiano pral raté shoot là. Jérôme Pierre. Cristiano, comme d'habitude, qui était capable de mettre ballon au fond des filets. Mais là. Était capable de craser quand là. Oui, littérate occasion. Coup de tête d'un joueur marocain. Mais la bonne détente du portier du Portugal. Oui, Patricio n'a pas suivi. Coup de tête de ballon Younes. Difficile. On coup de tête suyé qui maté à terre. Ballon difficile. Monsieur, vraiment, rappelez-nous, Olivier. Sous action ça. 60e minute, attaque du Maroc, ballon en surface réparation. Là, c'est Mehdi Benassia. C'est au-dessus, c'est loin au-dessus. C'est le premier tir que tu joues dans le petit carré. Il n'a pas couvert le ballon, mais tu as une défaillance dans la défense portugaise. Mehdi Benassia, mette le ballon. Alors, c'était dans 11 mètres là, en 10 pitots, c'est dans 11 mètres là. Dans 11 mètres là, tu vois une pénalité. Le coup franc pour le Maroc, ballon en surface réparation. Et puis là, il passe à côté. Maroc qui rate plusieurs possibilités pour te marquer, notamment avec Mehdi Benassia. Encore une fois, sous action ça, il n'a pas mis ballon au fond des filets puisque le pas joué véritablement dans tête ballon pas joué dans tête li. 90e minute Maroc t'a tenté dernière chance li pour le marquer et puis c'est au-dessus ballon qui passait au-dessus avec Hakim Ziyech tant que j'en nous dit avec Amrabat deux joueurs ça pas suffit pour permettre équipe marocaine nan, au moins égaliser dans match ça et puis dernière action an, avec Mehdi Benassia nous pral suivre ça cap raté possibilité à Jérôme Pierre c'est 1-0 en faveur de l'équipe du Port Portugal, grâce surtout à Cristiano Ronaldo qui marqué dans le match. C'est ça, la Wesquive frappe ça du gauche de Mehdi Benassia qui raté en pile occasion. Donc, on n'est pas capable de dire Maroc pas de jouer. Il a joué, mais est-ce qu'il a joué pour gagner? Oui, mais il n'a pas joué pour le gagner. Finalement, malgré plusieurs tentatives, il a perdu devant Portugal. Il a goal à zéro grâce à Cristiano Ronaldo à la 4e minute de jeu. Alors, gagner deux matchs qui étaient pour journée là à 11h a gagné l'Uruguay contre Arabie Saoudite l'Uruguay qui était battre Égypte yon goal à 0 et Arabie Saoudite qui était prend plus gros score et compétition 5-0 dans mes pays organisateur là possibilité pour l'Uruguay capable tout qualifier tout contre équipe Arabie Saoudite là et puis à 2h pral gagner Iran contre l'Espagne. Est-ce que l'Espagne a fait ça? Portugal fait un. Eh bien, à 2h, n'a pas connu. Alors, faut nous dire que compétition les patronnés sous télévision nationale d'Haïti par la présidence ONA, Honda, Batterie Megavolt et puis gagné A-Track, Institution chrétienne d'Haïti, la DGI, EDH, la BNC, Euro, Céram, Top Tailleuse et AIC. Et puis, gagné Collège Saint-Georges qui trouve l'Ina Taba 35, boulevard 15 octobre. Et bien, l'école, ça, il y a une garderie, il y a une kindergarten, il y a une primaire. Et bien, c'est directrice des études là, madame Luigi Zéphirin, qu'on capable de dans 48 85 30 12. Et puis, direction générale là, monsieur Gamal Augustin qui, dans direction générale là, mettez, on l'autre jouette sous pied là, c'est concours, base PAM branché. Et bien, on va filmé Bazou ou Abvoel dans numéro ça 39 00 10 10 et puis sont en DA ou ap gagné 100 000 good et c'est là tout madame monsieur nous boucler et eh bien show hein? Merci à tout auditeur téléspectateur merci également à équipe technique là Emmanuel Turin Richie Desjerville Gérald Escoufler et Rodney Michel Farah Rodney qui t'a réalisé show hein? Harry et c'est toute mounette qui te contribue direction production direction technique tout le monde qui a contribué pour une capable porter pour 21e édition Coupe du monde FIFA 2018 là. Merci à Gracie Antoine, merci à Steven Dieudonné qui t'a accompagné qui te permet que nous
côté match ça pour la caillou.